Et messieurs, dames, bonsoir et bonjour à toutes et à tous, ici Draken sur Ivasan Studio. On se retrouve ce soir sur Valheim pour commencer et terminer notre aventure, enfin terminer pour le moment notre aventure. Et nous allons donc attaquer le boss numéro 5, mais d'autres activités également. Et je vais rejoindre mes amis sur le Discord. Je serai pas tout seul, bien évidemment. Je serai en compagnie de Jake et Imra. Bonsoir, Jake et Imra. Hello. Coucou. Et du coup, on va continuer notre petite aventure et on va se faire poutrer ce soir. Mais non. Si, Mais si, non, on si, va si, si. gagner. On va se faire défoncer. Car nous allons attaquer un des boss qui est très très dur. Comme disait une célèbre chanson, Ensemble pour la victoire. Ouais. Hop, hop, hop. Qui chantait Alors. ça déjà? C'est C'est les paroles de Johnny? Pokémon? Ah Oh non. putain, mais quel idiot. Ah oui, Ensemble pour la victoire. Oui, j'ai dit Johnny, moi. Oh, peut-être qu'il les chantait aussi, hein. Non, mais Ah, la je chanson de pense. Johnny pour la Coupe du Monde. Ouais, voilà, je pensais tous ensemble de Johnny, mais non, Allez les bleus! c'est vrai que non, On est c'était. tous Oui. ensemble. C'est Pokémon. Alors, hop, on va mettre le son du jeu également. Je parle bien dans mes micros, je vois que mon micro Oui, le son est bon. bouge. Alors, est-ce qu'on avait. Oula, alors déjà, oui, c'est vrai. Réhabituer à nous, faut se réhabituer au contrôle. On Ouais. a. Ouais. Du coup, attends, bon, j'ai spoil un peu, je retourne à la maison. Parce qu'on n'avait pas montré la maison de campagne. Et également les autres choses qu'on a fait à côté de la maison de campagne. Attends, c'est quoi que t'appelles la maison de campagne? Maison de campagne pleine. Ah, la ferme. Ouais, la ferme. Mais on n'a pas montré ce qu'il y avait à la C'est ferme. vrai. C'est vrai. Donc, bon, nous voici toujours dans notre petite base. Celle-ci n'a pas changé. Non, pas vraiment. Je prendrai le stuff après. Du coup, oui, on s'est tous stuffé pour le dernier boss. Enfin, dernier boss, le cinquième boss. On est full normalement level 4 des armures de Lox et de Obsidienne. Je vois qu'il y a du lin qui était en train de se faire. Allez, petit serveur, hop, on va le ranger. Donc, oui, where are you, Jake? Jake qui est en train de s'enivrer. S'enivrer, donc je vais rejoindre Jack à l'enivrement. Alors, À où? consommer avec modération, tout ça. Bien évidemment. Alors, c'est pas ce portail-là, c'est le portail C'est le portail Mont-Blanc. Mont À Blanc. l'étage. À l'étage. Ah oui, On parle pas de la crème dessert, hein? alors, Mont Blanc, Non. Mont Blanc. Non, ce n'est Ça pas existe encore. Moderne et Yaourt. Oui. Oui, Mont Blanc, oui, c'est toujours très bon le Mont Blanc. Je mange tous les samedis. Ouais. Non, Bon. le Mont Blanc, devant une petite série du soir, je te Ouais. fais un pot entier. Et donc, nous voici arrivés. On l'appelle comment, la taverne de Bah, quoi? c'est un chalet refuge. Voilà, on est tout en haut vraiment quand on est sur la carte. C'est une petite montagne et c'était une zone déjà toute plate, vraiment au sommet de la montagne, qui a à peine été mis à niveau. Et du coup, bah voilà, chalet de montagne. Et normalement, les golems ne peuvent même pas l'attaquer. Il n'y a que Oui, les c'est Wyrms qui vrai. peuvent l'attaquer. Et du coup, nous avons des petites de la boostify. Oui, il a fallu mettre un petit support comme pour accrocher quelque chose. Et en fait, on peut poser n'importe quoi dessus, y compris bah, des plats qui nous servent pour les buffs. Donc Donc pareil ça, pour l'œuf de dragon, voilà, pour donc les ça, potions bon, derrière. c'est la neuf de dragon, mais bon, c'est notre repas du soir. C'est un petit œuf à la coque, bien évidemment. Donc ouais, du coup, t'as posé tous les différents plats. Non, pas tous, juste quelques-uns, ceux qui me Enfin, paraissaient les plus jolis. Et enfin ouais, jolis sur une table quoi. la Parce que grosse miche il y de a les pain. saucisses. Quand j'ai posé pour essayer les saucisses C'est. sont posées à même la table. Il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas de place et voilà. Ah oui. Bon, après, on est des Vikings, hein. On mange des saucisses comme ça, Oui, normalement. bon. Du coup, ici, on a des coffres où on a un peu de bordel. Ouais, Et c'est la du coup, réserve. toutes les potions, franchement, ça fait stylé.
Donc toutes les potions, bon, si vous doutez, si jamais on... Si on en a mis là, c'est qu'on en a quand même pas mal, hein. Oui. Avec la tête de loup. Du coup, les vins d'orge, résistance au feu, les bannières. Et du coup, on va montrer ce qu'on a fait. Et attends, attends. Attends, oui, c'est que ça. Il y a oui, une c'est vrai, cabane, et... voilà, pour se réfugier s'il fait trop froid. Voilà. C'est vrai, nous avons. Nous dans la voilà. Petite chambre d'hôte. Exactement. Avec le verre également qu'on avait récupéré au dernier stream, si je dis pas de bêtises. Le verre. Le verre, c'était quoi déjà? C'était quoi? C'est les trucs de glace. Ah oui, c'est vrai, les cristaux, oui, les cristaux de golem. Ouais. C'est vrai. Du coup, on a farmé les plaines pour faire nos loot, bien évidemment. Et en farmant les plaines, on a fait une petite ferme. Alors, la ferme, elle est en bas. Sur mon faute. Oula. Oula, oui, c'est du portail qui passe en dessous. C'est pas montagne, c'est. Donc, il s'appelle ferme plaine. Donc c'est là où on a fait pousser le lin et le. C'était le lin et quoi? Et le. Orge. Ah oui, l'orge. C'est vrai, oui. Donc on a de l'orge, on a des piastres. Donc là, on a de lin qui pousse. Donc petite cabane également. J'avais fait une cabane, moi, en mode V05, toute pourrie. Jake l'a améliorée. Bah, sur cette petite cabane ferme, il y a un confort 19 qui traîne. Donc voilà. Oui, donc ouais, quand même. Et ouais, dans le chêne de montagne, prendre. C'est un confort 17. Moi, j'ai eu 15. J'étais pas au bon endroit, je pense. Ah, il y a plus de... Ah non, c'est bon. Quand je me mets... C'est bon, tu vas. Et non, il y a plus de... Ah si. C'est moi, c'est le serveur qui déconne. Genre, je suis en confort 19. Des moments, ça passe en confort 17. Je vois, je pense que tu déconnes. Parce que j'ai bien le 19, moi, pour le coup. Parce que là, genre, attends. C'est peut-être parce que... Genre là, je suis en confort 17. Non, t'as là, un truc bon. Qui compte pas, là, mais... Là, c'est bon, je suis en 19, je vais attendre. Allez, confort 19. C'est combien de... C'est 26 minutes, le confort 19? Oui. Bon, oui. Bon, c'est bon, alors, je... du coup, on a... Ici, vous pouvez voir une magnifique muraille. Et qui est-ce qu'on a dans les murailles? On t'attend, hein, Jake. Hein? On t'attend? Non, allez-y, montrez. Bon, du coup, ça, j'avais pas vu. Alors, nous avons Hubert, Gertrude, Yvette, Maurice, Kevina et Georgelin et Hugolin et un petit Lox également, qui n'a pas été nommé. Et en fait, on a réussi à apprivoiser des Lox. Du coup, ces messieurs et dames, maintenant on va pouvoir les raider. Donc on a des selles. Alors à la base, je crois qu'il y avait un. C'est nous qui avons fait le trou, je crois, c'était pas pour du goudron. Je sais plus pourquoi on avait. Il doit y avoir une possible. Je crois qu'on avait commencé le trou pour du goudron, puis à la fin on a dit on va planquer les locks ici. Et à la fin on s'est dit bah vas-y, on va faire un élevage. Du coup, Yvette elle-même. Mais Yvette, eh ben, je vais monter Yvette. Voilà. Clairement. Voilà. Et du coup, donc, on ouvre la petite porte. On va sur Yvette. Hop. On ferme. On passe pas la porte. On ferme. Si, non, ça c'est sûr. Ouais, bon, après, ça touche les bords, on va dire. Hein. Et voilà. Et du coup, c'est parti, on va rider avec Yvette. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir de la résistance, qu'on peut aller plus vite. Et oui. Les locks peuvent faire des dégâts. Problème, c'est que sur le continent qu'on peut les prendre, ils viennent pas dans les bateaux, ils peuvent pas traverser les portails. T'imagines le lock sur le Drakkar. Est-ce qu'on ne ramènerait pas un sur le boss pour nos carry? Alors, si on le ramène sur le boss, il va mourir. Hein. La dernière fois. Que le Lox meurt, c'est pas grave, il y en a plein. Ouais, oui, enfin, bon, ouais, bon, quand même. J'ai pas envie de perdre Yvette, moi. De toute façon, c'est pas le bon continent pour le boss, là où il y a la ferme.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc du coup, la conduite, c'est pas compliqué. Vous appuyez toujours, vous appuyez une fois sur le bouton à le avancer. Et après, le mieux, c'est de... mettre une carotte devant avec un bâton. C'est de se déplacer avec le shift, en fait, pour vous bouger la souris et puis vous déplacer. Et ce qui est encore plus marrant, c'est qu'il y a des niveaux d'équitation. Regardez. Et voilà, donc Yvette. Et le pire, c'est que quand tu montes le Lox, il est marqué Yvette, entre parenthèses, heureux, avec la tête du trophée de Lox. Et ça... Et sa vie. Donc, voilà, on a beaucoup farmé. Bon, on va rentrer Yvette. Alors, fait qui est un peu gênant, c'est que ils veulent sortir souvent. Voilà, donc il faut fermer les portes. Et encore plus gênant, voilà, je suis bloqué sous Yvette. Je ne peux pas passer Yvette, merci. C'est que quand ils ont peur, bah, ils cassent les murs. C'est qui est embêtant. Allez, allez, honte, allez. Stream qui a planté. Voilà. C'est bon. Hop. Allez. Hop. J'ai envie d'enlever la selle de Yvette. Ah oui, c'est qui. Allez, hop. Je reprends ma selle. On est bon. Allez, poussez-vous. Pousse-toi, Gertrude. J'avais même pas vu que t'avais mis ses noms. Du coup, on est parti pour vider le ouais, pont. Ouais, avant de que vous repreniez les portails, là, côté ferme, est-ce que les feux ont besoin de bois ou c'est bon? Bois, il y a le bois de gobelin, il a feu 2 sur 10. Combustible, les autres, ils sont à 5 sur 5. Attends, je regarde. Feu combustible. Surtout à l'intérieur. À l'intérieur 19 sur... Non c'est bon, 19 sur 20 et 9 sur 10 pour... Okay. Donc on est bon. En train de rallumer les différents feux un peu. Ah bah non, en fait je m'étais déjà fait des flèches d'aiguille. Ah ok. Je pensais que j'avais pris des flèches de givre mais non. Du coup on va aller s'équiper pour faire le boss. Enfin, surtout ce qu'il y a autour du boss. Oui, voilà. Parce que si je me souviens bien, il y avait 2 berserks, 3 chamans. Il y a un gros village à côté et on va quand même clean un bon gros alentour de la plaine du boss. Hein. Oui, parce qu'on va courir. Faire courir, moi, rouquin. Et vous. Mais. Quoi? Attention, hein. Il y a glut, est-ce qu'il est roux? On sait pas. Boudin, alors attends, boudin, tourte et charwarma. C'est les manger qu'il nous faut. Friand, tourte et boudin. Oui. Ouais, enfin ouais, charwarma, c'est friand. C'est quoi du charwarma? C'est le plat dans Avenger. c'est ce qu'ils mangent dans la fin de Avenger. Tac. Alors, chacun un stack de potions. Moi j'ai pris 3 rouges. Moi j'en ai 9. Moi j'ai pris un stack complet de très revigorant, un stack complet de bonne endurance et un stack de résistance. Ouais, sur les jaunes et les grises c'est bon, mais les rouges j'en ai pris que 3. Vu qu'une suffit pour 10-20 minutes. C'est combien? Attends, j'ai pris. C'est 10 minutes. Par contre, ouais, prenez des potions de vie. Hein. Mm. Oui, donc du coup, on n'a pas montré, du coup on avait le moulin et avec le moulin on a fait de la farine. Avec la farine on a fait des tourtes, et du boudin, et des friands. Alors, donc là le manger, ça a l'air d'être bon. Je vais aller prendre des flèches de givre. Flèches de givre. Je vais en prendre 150. Montagne. Montagne Yaglut. Normalement il est marqué modère et slash Yaglut. Oui c'est ça. Donc let's go. Il est là-haut je crois. Ouais, il est là.
Hop. Il est pas en bas ? Non, non, il est en haut, je crois, Modern Yaglut. Modern Yaggurs, il est en haut. D'accord. Et du coup, c'est parti. Si on peut, on essaiera de refaire le Drake. Modern, oui, oui, oui. On peut même tenter de le faire maintenant. Hein. Bah, on n'a pas... Avant on clean boss. D'abord, on voit... Oui, oui, ah, oui, oui, si on arrive à... Parce que, oui, c'est vrai. C'est si, dans l'éventualité, on arrive à passer... Yaglut du premier coup. Parce que ce qui va être marrant. Sachant que Yaglut. Ouais, c'est bon, j'ai mangé. Yaglut, pour les items, c'est 5 totems de gobelins qui portent leur nom là. Mais on en a que 9 au total. Hein. Quelqu'un les a pris ou pas ? Non, pour l'instant, non. Je préfère qu'on nettoie d'abord et on refera un aller-retour. Okay. Alors, c'est par ici, Jake. C'est de l'autre côté. Oui. Je sais plus où est-ce qu'était le chemin. On peut voir le. Bon, la maison. Donc, ah oui, alors. Remettre mon stuff complet. Et c'est parti. On glisse. Donc en plus, oui, il y a des locks et tout à gauche. Alors est-ce qu'on tue les locks avant ? Ah, faut tout nettoyer de toute façon. Mais attends, c'est quoi qu'on. Attends, 7, c'est l'épée, 8, c'est le bouclier. Allez, le confort. Je parle pas de Pokémon, bien sûr. Parce que le pire, c'est que le village, il est pile à côté, quoi. Ah ouais, mais c'est vraiment... Du coup, moi, je vois des locks. Du coup, on les tape d'abord. Attends, t'es ici. Je suis en bas. J'ai pas la même distance de vue. Attends, je te guette. Bon, bah, t'inquiète pas. Ah, ce dodo gauche, là. Ah bah, il bouge ouais, pas. Ouais, tu peux y aller, ouais, vas-y. Ah si, il commence à se ramener. Ah, j'ai entendu un gobelin par contre. Ouais. Ah oui, il est derrière. Il arrive le gobelin. Où ça ? Juste là. Ah oui. Non, je glisse. J'arrive, Huguette. Parce qu'on va voir quand même leur vie. Il est à la moitié, le Lox. Alors, c'est moi ou les flèches d'aiguille les empoisonnent ? Non, c'est l'arc qui fait ça. C'est l'arc de... Oui, ah ouais, c'est... oui, c'est vrai, c'est l'arc de Droger. Allez, voilà, donc on en a tué un déjà. Alors les deux autres. Ah, il y a encore un gobelin quelque part. Je le vois pas encore. Ah si, il est caché. Et viens, viens, viens. Oh, il y a l'autre derrière. Oh, il change trop de trajectoire. Oui, il bouge tout le temps. Ouais. Attention, n'oublie pas Jake, ils font mal. Hein. Voilà. Et le troisième qui. Je sais bien, il est disparu. Mais... Attention sur toi, Imra. Au moins, il nous fait du bois. Il te faut Olivier. Ça faisait longtemps. Hein. Allez, c'est bien, ça nous permet d'augmenter nos niveaux avant pour le boss. Par contre, du coup, moi j'irai réparer mon stuff avant. Hein, avant ah oui, oui, il faut. Ça, c'est sûr et certain. Oh, oui, il faudra un repos au max et tout, au cas où. Ouais. On reprenne nos pouvoirs de boss aussi, comme on veut. Oui, oui, oui. Moi, j'ai encore le pouvoir du bateau. Ah, c'est bon, on va balancer du vent sur Moder. Sur Yaglut, c'est bon. Alors, j'entends un gob sur moi. Ouais. J'entends des plaques bières, parce qu'on peut les. Moi, j'ai avant. Il y a le.
Il y a la forteresse qui est juste derrière. On va prendre pas le tour par le nord. Vas-y, vas-y, vas-y. Et le nord. Moi je prends des plaques bière, en attendant. Ça on va pouvoir nourrir la petite famille. Alors je vois deux berserkers. Alors ne bouge pas Emma. Touchés, ils arrivent. Ils m'en bougent pas, t'inquiète pas, ils arrivent. Trois berserkers. Plus on est de fou, plus on vit, hein. Ouais, Jack court. Oui, j'avais juste un petit. Je vois un gobelin, mage. Ils sont tous sur toi, Jack. Ouais, il a les trois. Mais hein. T'inquiète, tout va bien se passer. Le mieux ce serait de faut tuer le mage. Il y a un grand berserker qui est toi là, je vous le dis de suite. Moi je vois pas les PV, hein, je le dis. Hein. Moi j'essaie de faire les petits. Il est pas étoile, il est shiny. Hein. Le chaman, ouais, principalement. Ah, chaman il est bientôt mort. Yes. Il est mort. Au moins ils seront pas buffés. Et on arrive du coup, Jake. Attends, attends. J'ai une strat. Attends, j'en ai un sur moi là. Il y a encore du monde dans le camp. Oui, 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 mais je pense que le mieux c'est de. Et Jake qui s'est barré à Tatawin. je les vois taper autour. Là, il essaie de te faire taper les Lox. Oui. Tu le vois au loin. Et tu vois les Lox qui sont en train de se fighter. Du coup, attends, je vais tester avec si la flèche du givre fait plus de dégâts ou pas. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est que la flèche de givre ralentit. Alors par contre le lock c'est gentil mais c'est pas moi qu'il faut taper hein. Ah, ça... Il n'a pas compris, il faut lui expliquer. Allez. Hop, donc. Voilà. Merde. Mince, j'ai tapé mon. J'ai utilisé mon sort, non. C'est, la touche... façon, c'est la touche F, mince. Est-ce qu'on peut. Jake est en train de use bug. Je bug pas du tout. C'est très legit. Tu vois le Lox qui est derrière. En mode. Je veux monter. Ah, mais du coup, il se barre. T'inquiète pas, il va revenir. Là. Ah, du coup, il est parti, il est cherché. Oh, c'est pas trop dans mon plan. Je voulais finir le petit gobelin qui était à 1 PV. Et tout ne se déroula pas comme prévu. J'ai le une étoile. Oh la vache. Si le boss il est carrément plus compliqué que eux, mais on va mettre 10 ans à le tuer le boss. Alors ça va, j'ai le buff de moderne, donc ça va, il fait pas trop de dégâts encore. Attention sur la. C'est quoi ce côté est? En vrai, si on arrivait à finir le mec là. Ouais. Courez! Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi j'ai moderne donc ça va encore. C'est bon. Ok, on a un de fini. Par contre, il me faut. Pourquoi un dracan? Vas-y, 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 t'inquiète. Autant que ce soit moi qui ai l'aggro, j'ai le boss. J'ai le buff de. Ok. De résistance. Le Lox là-bas, après, je pense. Dans la montagne? Ouais. Je sais pas, on le des fait. Les berserkers, là, vous en avez eu. Les trois sont morts des berserkers. Les trois, ok, d'accord. Il en reste encore un dans le camp, par contre. Ah ouais? Ouais. Il me semble en avoir vu un, au loin. Parce que moi, j'en avais vu que trois. Le chaman, il est mort. Alors après, j'espère qu'ils vont juste pas respawn tout de suite. Pour le moment, j'en vois pas. Ah si, si, je le vois, il est là-bas. Alors, toi, déjà, t'es gentil, tu m'embêtes pas. Je le ramène. Ils se ramènent tous, hein. Alors, on va prendre. Attention, Jake. Il y a un chaman. Moustique. Oh, punaise. Ouais, je suis mort. Je viens de me faire spam. Hein.
Le berserk qui vous touche une fois, vous êtes stun, c'est fini. Hein. Mm. Et... je ne pardonne pas. Hein. Ah. Chaman mort. Alors, vas-y, essaye de les quitter, Jake. Enfin, au moins, te... moi, je m'occupe des petits, là. Il y a encore un chaman. Pas vrai. Alors, si jamais... on en a du sombrassier. Hein. Non. D'accord. Je suis revenu sur mon caillou, il y a le berserker à mes pieds. Moi j'ai un chaman sur moi et un petit. Je suis juste à côté du cadavre d'Imra. Donc reviens pas tout de suite, Imra encore. Attends un peu. C'est bon. Le chaman est tué, tu peux revenir. Ah bah j'ai trouvé un chaud. J'ai chopé un trophée de chaman. Yes, je crois qu'on l'avait pas. Non, 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 non. J'essaie de faire les petits. Ok, je reviens, je suis descendu de mon caillou. Attends. Moi c'est bon les petits sur moi. Ils sont encore derrière toi ou pas? Moi de mon côté c'est nettoyé. C'est nettoyé aussi? Ok. Bah du coup tu peux revenir pour ton stuff, Imra? Oh, je suis en route. On t'attend à côté de ton cadavre. Sauf que aussi j'ai mis des moustiques. Mais par contre, il y en a encore des. Il y a du monde encore. Ouais, il y a encore du monde, hein, Jake. Ouais, il faut que je récupère mon stuff, c'est bon, je me suis déjà. Merde, j'ai un moustique là-bas. Moustique tué. Ok. De toute façon, on va pas faire le boss de okay. Lumière. Non, c'est non. Qui c'est qui me tire dessus là? Ah, c'est lui là-haut. Donc tu vas voir. Hop. Moi, j'ai déjà plus de place en inventaire quoi. Mm. Attends, je vais aller me rapprocher du vas-y, quoi. Il a tombé tout seul. Si jamais il y a un moustique. Okay. Ah oui, c'est vrai, t'aurais dû prendre une potion de résistance à la neige, moi. Ouais, surtout que j'ai eu des loups sur la route. Attention, moustique sur toi. Non, 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 non. Putain. C'est bon. J'avais couru aussi vite. Ah, j'ai la vache. J'ai. Vas-y, reprends. Il y a Odin dans le campement. Ouais, je l'ai tué aussi. Il y en a un derrière, il arrive. Hop. Par contre, moi j'ai plus de place donc il faudrait prendre les aiguilles si possible. Ouais, je vais les prendre. Bon, cassé, on va tout récupérer. Ouais, Sension, il y a un squelette. Aïe, c'est vrai qu'il y a des pics. J'avais pas vu. On va mettre du bois dans les feux au moins, on est sûr. Ça c'est quoi? C'est une maison. Ah, de l'orge. Je vous laisse ramasser. Ah, que non, c'est bon, je peux ramasser l'orge. Hop. Allez, c'est parti, cassons la maison. Il y avait un truc dans le coffre ou pas? Oui. Oh, de l'orge et des pièces. Je peux prendre. Ah, il est cassé. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait ma hache en obsidienne. Hein. Alors, est-ce qu'on peut. J'ai plus de place. Après, est-ce qu'on garderait pas des maisons au cas où pour s'abriter dedans? S'abriter? Bah pour le boss.
Et il va tout détruire. Ah, ok, d'accord. J'avoue, je pense qu'il va pas faire de la dentelle. Hein. Tiens, comment encore ce chapiteau là? Voilà. Alors, pour moi, je vais aller vider mes objets. Là, à la limite, si tu fais l'aller, ouais, vas-y, ouais. Avant de revenir, prends ce qu'il faut pour faire un portail. Comme ça, on le met pas loin, mais éloigné du boss quand même, pour pas qu'il pèse. Ouais, ok. Et tu le nommes juste 1. Il y a déjà un TP juste désactivé qui s'appelle 1. Juste 1. Non mais, 1, chiffre 1, pas Justin le prénom. C'est vrai, moi, j'appellerai Justin, c'est tout. C'est tout. C'est Justin le portail. Let's go. Alors, on va enlever son armure. J'ai un gobelin. Ah, j'ai trois gobelins si jamais vous voulez vous amuser derrière moi. Oui, tu. Au niveau de la montagne, il y a trois gobelins. Ils sont en train de se balader. Alors, bouquetin. Et on entend les dracs également. Allez, la technique. Non. Sur moi. Effectivement, ouais, faites attention. Hop. Oh, j'ai encore. Il est encore en dessous. Non, il est que je t'en ai. C'est pas le moment, les loups, ne venez pas m'embêter. Ok. Il y en a d'autres. Après, au pire, enfin oui, j'ai ramené le portail, puis je pense qu'on retourne à la maison point pour passer la nuit. Enfin, pour qu'après, elle est bien avancée. Ouais, de toute façon, on va voir qu'on vide nos sacs, et puis encore du sombre fer au sol à ramasser. Ouais. Du sombre acier. C'est beau, hein, t'inquiète pas, on va toujours faire l'erreur. Hein. Ouais. Moi ça va être pareil. Hein. Alors, hop. Allez, petite épée. Non, c'est pas par là, c'est par ici. T'as vidé tes sacs quand même? Pour ramasser le sombre acier sur la route? Ah oui, moi j'en ai 23 là de sombre acier. Je vais mettre ça dans le coffre. Quoique non, on peut le. Hop, on va le mettre fondre tout de suite. Alors, vidons les sacs. Dégobibé, c'est. Non, c'est Plaquebière. Plaquebière, c'est là. Dégobibé, c'est là. Viande pas cuite. Et là. L'orge. L'orge c'est là, la peau de l'ox c'est là-bas, et les pièces aussi. Alors, les compos pour le portail. 10 yeux de main grille. Ah, mais attends, c'est un bois précieux et je sais plus combien de cœur de sang. Ah, mais c'est bon, il y a un autre portail, donc c'est bon. Il y a un portail qui n'était pas utilisé, donc je pense. Oui, t'as besoin que des compos d'un seul.
Ouais, donc c'est bon. Oui, c'est vrai, on a mis Silex là-dedans. Je vais prendre les trucs d'un mob de gobelins. Gobelins, ça c'est fait. Les trophées de montagne. Trophée. Donc, ouais, c'est ça, le trophée de chaman, on l'avait pas encore. Ça, on est good. Alors, il y avait un portail qui n'était pas utilisé. Des coiffures. Coiffure? Ouais, chiffre Non? 1. Ouais, mais non, mais moi j'avais. Là, il y avait un portail, c'était mon ancien portail à moi. Alors, ok. Bah, comme tu veux. Je le casse. Hop. Je vais sur Modère. Et du coup, je reviens. Alors, c'est par ici. Ah non, les loups, c'est pas le moment. C'est bien, c'est qu'en deux coups, ils sont morts. Est-ce qu'on le met à l'endroit de l'ancienne maison des gobelins ou pas? Je t'ai mis une table. Oui. Vas-y. Oula, ça fait Ah, sauf mal. si tu voulais mettre ailleurs, hein, Non, t'inquiète, moi pas de c'est comme. soucis, hein. Non, Moi c'était c'est. proche du village aussi, mais il y a un gros caillou. Et je l'ai mis la table derrière le gros caillou. Donc je me dis qu'avant que le boss pète le gros caillou. Vas-y, parce que de toute façon, moi j'entends Ouais. des dracs de l'autre côté. Oh, d'ici à ce qu'ils viennent, on est tranquille, hein. Alors. Au pire, on leur envoie une armée de moustiques là. Et du sang-brasier. Du bois, T'as du vu, il y a sang. deux, trois choses à ramasser, hein. Ouais. Alors par contre, je vais prendre une potion de régène de vie parce que. Plus de. Bah, j'ai déjà plus de place. C'est des cailloux. Les cailloux, on s'en fout. Hop. Alors, le gros caillou. Là, ici, là. Alors, portail. Hop. Et t'as dit qu'on en nommait un. Ah. Voilà. Alors, on va récupérer le bois. Allez, le serveur. Tu peux le faire, le serveur. Aïe! Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Deux moustiques. Ah. Papa, il y a elle. Bien vu, Juste. De quoi? On était superposés du coup, parce qu'on a pris le portail en même temps. Ah, j'ai pas fait gaffe. Inventaire plein. Bon, bah, je peux déjà faire On va faire l'inventaire. peut-être un aller-retour ou Ah, deux. ouais, celui-là, je. Pensez à réparer. Hein. J'ai déjà mon épée, juste avec ce qu'on a fait, il y a déjà à moitié. Ah, bah, moi c'est mon. Ah, mais mince, il y avait un coffre où. Mince. Il y a, dans un des coffres, il y a. Je vais y arriver. Dans un des coffres, il y a de l'orge à prendre. Ok. Il y a deux d'orge. Hop. Ouais, moi c'est pareil, mon arc. L'arc drogueur il fait mal, mais il se casse très vite, je trouve. Pareil pour l'épée en son boss. Pourtant, Moi, le c'est ce que j'ai level utilisé. 3 et. Ouais, ça. Je trouve que c'est moins résistant que l'argent. Du coup, j'ai le stuff hein, pour l'invoquer, le boss. Hop. Pourquoi il y a des. Je me souviens Attends, je te même pose un trophée supplémentaire. pas. Vas-y. Je vais le prendre. Bah, de toute Un façon, totem, pardon, un totem. je vais en prendre que 5, hein, je pense. Comme ça, au cas où, si jamais on meurt et qu'on peut plus revenir, au moins on est sûr de pouvoir le réinvoquer. Alors, le. Tu sais ce que je disais, Draken, en théorie, on n'a même pas besoin de le réinvoquer parce que le boss il reset pas. Ah, même si on meurt tous, il reste invoqué. Il me semble, hein. Parce que Peut-être qu'il a pas de chat, mais. du coup, ça va être un peu compliqué. On va falloir qu'on fasse trop pour savoir qui va faire l'appât pour le retirer,
éloigné des corps. Bon, en vrai, ce serait encore pire qu'il reset. Hein. Ah oui, ça oui, j'espère juste qu'il va pas reset aussi, ouais, parce que sinon, oh putain, l'horreur que ça va être. On le tue, il lui reste 5% de vie, et là, boum, il reset. Ah. Ça va faire mal. Hein. La viande pas cuite, c'est là. Hop. Par contre, du coup, ouais, prenez des flèches de givre parce que ça ralentit apparemment. Alors, je sais pas si ça va le ralentir aussi, mais en tout cas, ça ralentit le. Ça ralentissait un peu les berserkers. Donc, hop. Ok. Moi, je suis réparé full. Ça, on va mettre ça là. Alors, en dehors du boss, en termes de trophées affichés. Actuellement, il nous manque seulement le serpent de mer. Ah, ah okay. Pas mal. Le repère 1, il est en haut. Il est en haut, ouais. Bon, au pire, on pourra se faire ça si on arrive à faire le boss en premier. C'est après. Random, hein. Ça peut être très long comme très rapide. Hein. Oui, bon. Déjà, faut trouver un serpent de mer. La dernière fois, c'était pas facile. En plus, faut qu'il droppe le trophée. Alors, on est pareil. Vous avez tous pris le repos Non. Pas bien, Draken, pas bien. Je reviens. J'ai tout pris. Y'a plus besoin de faire d'aller-retour là, c'est bon de l'autre côté Non, je crois pas. Il doit pas rester grand chose s'il reste. Il doit rester du bois et des pots de serre. Pas encore trop gênant. Mettre un peu d'orge, mais vu qu'on peut le faire pousser. Hein. Ouais. On a la blinde. Allons dans la maison prendre le repos 19. Est-ce qu'on ferait pas des lits? Des lits à côté du portail. Si jamais on respawn. Pas besoin, hein. Je pense que c'est pas nécessaire pour le coup. Prenez vos pouvoirs. N'oubliez pas. Par contre, oui, les pouvoirs, t'as raison. Moi, j'ai éclair. Prenez vos pouvoirs. Moi j'ai masse d'os. Bon, du coup, ça j'en ai pas besoin. Si j'ai quand même gardé. Et mettez vos raccourcis également. Pour les potions. Comment on traverse la muraille? Quelle muraille? Soit derrière il y a un escalier à moitié cassé qui où on peut sauter. Soit tu prends beaucoup d'élan et tu espères ne pas tomber. Ouais. Ah. T'es tombé? Non, mais c'est pas visible du coup. Le pont-levis n'est pas encore un peu monté. Alors, par en haut, je te le déconseille. Non, fais pas. Non, mais par en bas, Imra, tu t'enlèves. Tu peux sauter, hein, si. Tu ouvres la porte et puis. Là, ici. Là, normalement, par là. Peut-être faisable. Oui, c'est faisable carrément. Yolo. Sans élan, regarde. Dans le... Tu continues tout droit, limite. La pique, ouais. C'est yes. Pixel, hein. Ah ouais, bon, ça passe. C'est de l'entraînement. Après, faut repartir de l'autre côté aussi. Bah, pareil, on fait demi-tour. Hein. Qu'est-ce qu'il a, le Nyx, là, par contre? Le Nyx, c'est pas le moment. C'est pas le moment, le Nyx. Tranchant, coupant, perforant seulement. Dégâts physiques. Ouais. Bon, on s'en fout. Et du coup, là, pour sauter... Hein. Ah, attendez, tant qu'on est là, attendez, 2 secondes. Ouais. Approchez-vous du spawn. Attends. Ah mince, je suis tombé. Ah bah bravo. Attends, j'arrive. Hop, technique du bouquetin légendaire. Là, je sais pas si je l'avais évoqué la dernière fois. Ouais. Mais j'ai une théorie. Ouais. Voilà, ça, c'est la rune qui nous a donné le premier boss. Oui. Ici, là. Et à chaque fois, on a eu une rune qui nous a donné un boss, etc. Sur Moder, c'est un grand cercle qui est sur lequel il pop. Et là, regardez, le spawn, c'est une rune, mais qui est éteinte. Ma théorie, c'est que le boss final sera ici. Ah, c'est probable, parce que ça fait 8 branches. Voilà. Et le boss final, ce sera peut-être Odin? Je sais pas. Ça, j'en sais rien. Ça serait stylé, en vrai. Hein. Parce que là, on atteint 1, 2, 3, 4, 5... les terres sombres, les terres de feu, les terres de glace 8,
9 BMOS, oui, il y a de grandes chances. Hein. Et ça va être un bien vénère, je pense, parce que, vu que techniquement, dans le lore, de ce que je me souviens, c'est Odin qui nous ramène ici au Valhalla pour qu'on doit prouver notre valeur. T'imagines, c'est le tu vois, genre le Odin qui pop en petit vieux à capuche là. Quand on le voit, et puis là, tu vois un giga éclair ou un arc-en-ciel, et puis boum, t'es transporté dans une dimension, et là ça pète. Je sais pas. Mais ouais, non, pourquoi, c'est vrai que ça pourrait être. Ou alors, ça nous donne l'emplacement de Odin, mais moi je dis. Enfin, Odin, du dernier boss. Mais j'y penserais plus pour un genre de portail. Ça fait un genre de. Que quand t'as mis les. Les 9. Enfin, que t'as mis les 8 trophées, ça t'ouvre un portail vers justement l'endroit du dernier. Peut-être. Parce que c'est surtout parce que le dernier boss, on va dire. Enfin. Il n'y a pas de zone attitrée. Tous les autres boss ont des zones attitrées. Tu vois. Que là, techniquement, l'ultime boss, il n'y a pas de zone. Ouais, je vois ce que tu vas dire, ouais. Ouais, il n'y a pas d'emplacement pour un trophée. Parce que là, on va dire, ils ont déjà mis le. Alors, Terre de Feu, j'en ai pas encore vu. Mais on a vu le monde embrumé. Moi, j'ai trouvé le Grand Nord. Enfin, une petite partie du Grand Nord où c'est vraiment à la limite du monde. Moi, je dirais plutôt un genre de portail qui t'envoie, genre, dans le monde de. Bah justement des vikings quoi, donc bah là en dernière épreuve, c'est trop cool. Mais avant ça, on va casser le roi du gobelin, enfin les rois des gobelins. Du coup, je t'attends Jacques. On va déjà mettre 1, 2, 3, 4 et on attend... Le cinquième. Alors, par contre, à gauche, il y a des locks. À droite, il y a des locks. Ouais, j'ai que sauver. Ça va être palpitant. Ouais, va falloir. À la limite. Prenez vos potions. Vos potions. Prenez potions de résistance. Ouais. Non, l'hydromel, c'est à prendre en direct. Quand il y a besoin, ouais. Are you ready? A-t-on le choix? Eh bien, messieurs, go. Ce fut un honneur. Adieu. Et Roland, courez. Retourne dans ta yaourtière. Mais salut les gars, moi je retourne au portail. Hein. Ah ouais, non mais franchement. Ça tremble un peu. Hein. Attends, il arrive, il est là-bas. Yaglus Twisted. Yaglus. Il est où? Il est caché derrière. On peut le taper. Hein. Tapez-le. Ah, les musiques. Ah, il parle. Bah, oula, alors il y a des. Oui. Alors les flèches d'aiguille. Il fait rien. Lui font quasiment rien. Également, c'est moi ou pour le taper il faut viser sa tête. Ou le centre de son corps. Parce que simplement. Oula. Énormément laser. De PV. Oui. Tapez-le avec les flèches de givre si jamais ça lui fait un peu plus de dégâts. Et le moyen de lui faire le plus de dommages, c'est de viser son cœur. Ouais, le ventre. Aïe. C'est en gros, tu vois, en dessous de sa tête. Ouais. C'est là qu'il faut viser, je pense. Je pense aussi. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est que là, il fait spawn le météore. Et comme on est en dessous des doigts, là, genre de doigts, le météore se casse sur les doigts. Tant mieux. Ouais, ça fait deux fois qu'il fait spawn le météore. Ah, et ouais, le météore se pète sur le. Parce que, en gros, il sort avec un angle. Ah, attention, là par contre, ça pue l'explosion, on dirait. Bon, on aurait dû prévoir 3000 flèches, non? Ouais. Parce que ça va être long, hein. Je pense pas qu'au cas que ça sert à quelque chose d'y aller. Ah, par contre, son truc de feu là, avec la potion de résistance. Vous voyez, regarde les météores. Les météores se cassent au niveau. Se,
Là, on a vu une de près quand même. Se pète au niveau des doigts, mais par contre, les doigts se cassent. Hein. Ils sont pas invincibles. Hein. C'est, ah bah c'est des de, cailloux. Hein. C'est de la pierre, hein, donc. Oh, je l'ai mis dans droit dans l'orbite. Ah, le laser de feu, il fait pas vraiment de dégâts hein, avec la pression de résistance. Attention, météore. C'est vrai, la météore, il fait que sur vous. Moi, c'est que le laser de feu. Ah oui, mince. Et en vrai, on est à... Allez, on a enlevé 20%. Je... Ouais. Après, de toute façon, ça va être en mode... Aïe. Ça, c'est de la patience, ouais. Ouais. Bah après, ça va être au cac, hein, de toute façon. En vrai, je vais chercher des flèches, moi. Attention. Alors, je sais pas qui vise avec son... Je pense même qu'on va péter nos arcs avant même que... Probable. Parce que là, mon arc, là, il est déjà à 103 sur 371. Je l'ai... Ah non, c'est des flèches, ça, je suis bête. Ouais. Ce sont des flèches. Attention, météore. Mais Yves, qui là oui. C'est toi qui es là-bas. Je ne vois pas ce... De quoi t'as pris des dégâts? En fait, c'est au moment, Jack, où il lève le bras, c'est à ce moment-là qu'il envoie les météores. Bon, en vrai, ok, on arrive bientôt au quart de PV, on est bien. Ouais, changement. Le quart, on l'a fait là quand même. Phase 2, attention. Ouais. Moi j'ai bientôt mon poteau de TT. Attention, météore. Que soit check. Ouais, j'avoue que je suis à peu près tranquille sur le fight. Ah bah, moi aussi, c'est pareil. Hein. C'est. Ouais, c'est que des trucs de laser. Jake, c'est que le. Par contre, techniquement, il devrait bouger, je pense. Je crois qu'il est bloqué, en fait. Bah, j'avoue que je vais pas m'en plaindre. Même si, bon, voilà, ça casse un peu le truc. Ouais, enfin, attends. J'ai une sac à PV, hein. Ah, par contre, c'est embêtant quand il nous fait son laser, là. Météore. Mais je les vois pas, punaise. Je crois qu'il le sait, en fait. C'est pour ça. J'essaie de te prévenir. Attention, laser. Attention, ça doit être explosion, ça, je pense. Jake, météore. C'est que sur Jake, les météores, en plus. C'est dingue, hein. Allez, on va arriver à la moitié. Ouais. Il me reste plus que 20 flèches, hein. Bon, moi, après, j'ai... J'en ai... Là, j'en ai 66 de givre, et j'en ai encore 100... 260 à peu près d'aiguilles. C'est des flèches de quoi que tu veux? Oh, t'inquiète, hein. J'ai encore des opsies après, mais. Et puis au pire, je ferai un aller-retour. Le radar, c'est bon. Sinon, il va bouger. Alors, je pense qu'il va faire sa phase 2 là. Genre la grosse explosion. Parce que. Ouais, de quand on s'en rapproche là. Non, on a fait les 50%. Oh. Ah, là, il crie. Laser. Attention, météore. Ah, c'est bon, c'est tout le caillou qui a pris. Il y en a un qui est passé. Par contre, c'est moi où il fait ses attaques de plus en plus rapidement. C'est possible hein, qu'il s'énerve un peu plus sur la fin. Ouais, je pense que... Bon. Il y a une compétence d'arc qui augmente, let's go. Bah, boss poteau, hein. Easy win. Ouais, enfin, au corps à corps, je pense que ce serait peut-être pas tant easy win, quand même. On va bientôt le savoir, hein. Météore, oui, mince, désolé, on n'a pas dit. Retard. C'est pas grave. Il y a beaucoup plus de météores. Ouais, c'est un peu plus long, ouais. Je crois qu'il est en colère, il n'aime pas sa situation.
une bonne situation, ça, pour ce jeu. Laser, attention. Météore. Laser. Bon, il reste à peu près un quart. Je crois que le titre de la VOD, ça va être Easy Win. Je vais le nommer Easy Win. Météore, pardon. Mais en plus, il t'attaque même pas, toi, Imra. Ah non, moi, ouais, je suis tranquille. C'est que Jake et moi. Je crois que j'ai juste un laser au début, c'est tout. Alors attention, il tourne sur lui-même, il fait des petits, tout petits ronds. Petit patatron. Allez, on tente le corps à corps. Non. Allez, c'est pas une idée. Laser. Et je pense que c'est parce que t'es le plus proche, Draken, non? Hein? Parce que t'es le plus proche qui met toujours le laser sur toi, non? Je sais pas, franchement. T'es où toi? T'es très loin? Ah oui, c'est pas. Bah non, pas si grand que ça, mais. Laser. Aïe. Bon, en plus. Mais franchement, son laser, il fait 2 dégâts avec la potion de résistance. Je veux pas dire, on a même pas claqué les pouvoirs. Hein. Mmh. Ouais. Le météore, météore, météore. Bon, le poteau, il est bientôt pété. Il tient bon. Le plus gênant avec son laser, c'est que ça te fait enlever l'arc. Par contre, c'est moi où il gagne de la résistance, là. Parce que maintenant, je fais... Ah non, la flèche devait pas passer au bon moment. Pour toi que t'as tapé une autre partie. Ouais, là, je lui fais du 13. Météore. Il pleut de la pierre en fusion. Bon. Allez. Challenge. Oh, il va aller au corps à corps, vous le dis. More incoming. Ouais, du coup, ça va la voilà sa troisième attaque. Troisième attaque qui fait peut-être que quand il y a quelqu'un au corps à corps. Ouais, mais il fait le bruit d'un. Ah, du coup, c'était chez toi la météore. Hein. Ouais, il fait le bruit d'un genre de chihuahua ou d'un truc qui est pas content. Alors hop, on va quand même se barrer comme pour un gène. Laser. Ah oui. Ah oui. Le laser il fait mal. T'as bu la potion? J'ai bu la potion. Enfin je crois que je l'avais pu. Mais elle a failli de la potion, elle a failli. Parce que moi j'ai 3 secondes d'heure, je la remets. Ouais bah je venais de la perdre. Ouais. Oh, c'est pas grave, il fallait au moins une mort. Oh non, t'as mouru. Ouais, mais c'est pas grave. Il est mort. C'est pas grave. Le problème c'est qu'ils allaient. Ils nous regardent. Ils nous regardent, Jack. Il crie. Ah, par contre, c'est cool, c'est que son effet. Même à la maison, on le voit. Enfin, quand tu respawn. Alors, du coup, maintenant, ça va être récupéré. Le. Allez. Attendez-moi, ne le tuez pas tout de suite. Ah bon, t'inquiète. Du coup, on va au coiffeur potager. Mais en vrai, enfin là, à part au corps à corps, il prend plus de dégâts au corps à corps, par contre. Mais sinon, il est pas très compliqué. Hein. Je mets. On prend la bouffe, les potions. Vous pouvez taper. Oh t'inquiète. Ah, mais c'est parce que c'est ça en fait, c'est parce que j'avais plus ma potion de résistance. Yeah. Ouais, oh, c'est sûr. Mais et franchement ça me fait penser au même du. Comment il s'appelle du bulldog français qui fait Arrah, Arrah. Allez, meurs. Pourriture commune. Ciao. Et voilà. Oh, game. L'explosion par contre à la fin elle est stylée. Ouais. Et du coup il y a son. C'était sa tête que t'as récupéré, Duc? Je sais pas, j'ai un cube. J'ai vu sa tête.
C'est l'heure de la pire. Eh, non mais regardez, ils ont quand même pris cher les poteaux. Ah oui, la tête de ouf. Hop, tiens comme ça du coup, Imra, tu l'auras aussi. Ah oui, c'est vraiment une grosse tête. Bien, la tête qu'on a posée. Mais regardez les doigts. Il y en a Ah un bah, il est complètement il s'est défoncé. rongé les ongles là. C'est à la vache. Voilà. Ces petites manucures. Ouais. T'as eu l'espèce de cube bleu, Dragon? Ah non, 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 non. J'ai vu que la tête. On a eu que les deux Oh! items là? Voilà. Yagglutsing! Oh, ça, il me fait penser à l'Elia Cube dans Wakfu. Ah. Par contre, ouais, là, si on veut de la pierre, on en a. Hein. Bon, on se le refait? Bah, on a le temps de refaire le Drake et Ah oui, Pierre. ouais, modère. Bah, let's go. Et du coup, on n'a rien débloqué alors avec. Non, pour l'instant, on n'a rien débloqué parce que Le il faut contenu attendre pas la encore mise rangé. à jour. Bah, du coup, allons go, on va mettre le pouvoir, non? Comme ça, avec modère, vu que c'est. Modère, c'est poison, c'est ça, hein? C'est feu, gel et poison. Ah ouais, donc ouais, mode. C'est les trois. Ouais, donc. Ouais, faut le mettre. Mais on va pouvoir faire, on pourrait farmer masse d'os, mais bon, ça nous sert plus trop à rien. Oh, même modeur, en vrai, on va le faire pour le fun, mais il n'y a pas d'intérêt. Ouais, il y en a un seul. Le trophée, pour la Voilà. déco. Oui. Ah oui, c'est vrai, ouais, C'est faut ce que qu'on je me. disais. Alors, j'ai vache niveau bouffe, ça pique, hein. Pourquoi? Par contre, ouais, reprenez des. Bah, j'ai littéralement mangé 11 boudins. Sérieux? Moi 11? j'en ai mangé 0. Un Mais au j'ai début, qu'un c'est tout. seul. J'ai pris un stack de 20, j'en suis qu'à 9. Donc, alors par contre, Je mange, je j'aime bien le 25. boudin. Bah, du coup, ça sert à rien de faire prendre des flèches de givre pour. Bah, c'est les flèches de feu qu'il faut pour le coup. Ouais, j'ai Pour le tenté Drake, avec ouais. les. Alors attends, flèche. Ça, c'est quoi? C'est flèche d'aiguille. Ouais, je vais les ranger les flèches d'aiguille aussi. On va les garder. Et flèche de feu. Oh, moi j'ai plus de givre. Hop, je prends. Bah, il y a à peu près un stack pour tout le monde. Parfait. Il y en a un qui aura 144. Sympa. Potion de givre à récupérer, résistance au givre également. Bah non, on a pas besoin, on a le stuff pour. Oui, mais les attaques. Parce que c'est résistance au givre ambiant, mais pas. Oui, c'est C'est vrai. parce que c'est quoi? C'est résistance au. Il remet le résistance au gel et modificateur résistance vs glace. Ah bah non, en fait, ouais, non, ça sert à rien. Quoique, attends, si je. Les cubes, on les met dans loot boss. Pour l'instant, on sait pas trop quoi en faire. Ouais, non, vaut mieux prendre quand même les potions. Potion de feu, on va la garder pour plus tard. Une petite potion de vie, hein. Je vais les remettre dans le coffre. Moi, Je j'en ai laisse. Hein. utilisé deux fois. On va remettre. Bah, je vous attends au poteau pour mettre pour la tête Poteau. Ah oui. au menhir. Au spawn. Les flèches de feu, on est bon. Ok, on va aller au truc. Ah oui, c'est vrai, les flèches. Déposer la tête. En plus, on va devoir repasser pour prendre le repos. Oui. Normalement, on pourra prendre tous le buff. Et du coup, ça va maintenant faire spawn des gobelins la nuit. Enfin, ça peut faire spawn des gobelins la nuit. Donc, si j'ai bien compris, c'est que des gobelins normaux. Des gobelins normaux, pardon. Mais ce sera que des. Il n'y aura pas d'étoiles, ce sera que des zéro étoiles. Normalement. Eh bien, ouais, allons-y. C'est parti. Je vais pas lire le texte. Mais allez, le crochet. Voilà. Résistant contre les dégâts magiques et de foudre. Résistant feu, glace et foudre. Et du coup, voilà. Et...
On n'a pas le petit corbeau qui vient nous dire... Non, pas pour l'instant. Comment on s'organise côté pouvoir? Bah moi j'ai pris Yaglut. Hein. Pareil, j'ai pris hein, Yaglut. Après, je vais garder Mazdos comme ça. Après, si tu veux prendre Mazdos, tu peux prendre Mazdos, hein, Jack. Je peux prendre Ekter. Hein. Je demande. Moi je... Oh, c'est stylé, le spawn et la brune. Ouais. Avec les quatre têtes. Bah moi j'ai pris Mazdos. Truc allumé. Après, Ektir, pour Moder, il va pas nous servir à grand chose vu que c'est que pour la course et. Et les sauts, je pense qu'on en a plus vraiment besoin. Hein. Ouais, c'est que pour la course et les sauts, donc ça sert à rien. Par contre, moi je serais d'avis de dormir un peu. Pour faire passer la nuit. Au moins pour Moder. Et après, surtout de réparer le stuff. Je vais pas les sangliers. Hop, confort 19. Bon, moi je fais dodo dans mon lit. Ah, mais non, du coup dans mon lit j'ai que confort 16. Mais dans le lit tu t'en fous du confort. Oui, non mais. Je veux mon maxi confort dans mon lit. Oh pardon. Pardon. Je veux le maxi confort. J'ai payé une suite de luxe ou pas? On a fait toute la toiture. Ok, je suis dans le lit. Moi, je suis dans le lit aussi. Imra, tu vas dans ton lit? Allez, Imra, c'est l'heure d'aller se coucher. D'accord. Les enfants sont fatigués. Il est temps de fermer ta blamatique. Mais non, ils ont mangé trop de sucre. Mais non. C'était dans... Mais vous connaissez pas, c'était dans Ici Blabla. Et Blabla, c'était une émission belge avec une marionnette. Et à la fin, Blabla, c'était un programme informatique qui vivait dans le dans une borne de d'information. Et du coup, à la fin, Blabla il jouait et quand Blabla c'était terminé, t'entendais toum doum, Blabla, les enfants sont fatigués, il est temps de fermer ta blamatique. Ça c'était la carte mère qui lui disait à Blabla de c'était la fin de l'émission. Et du coup. Quand c'était la fin de la mission, on finissait sur le rap de Blabla. C'était je cache mes oreilles. Attends, je bouche mes yeux, je cache mes oreilles et je regarde pas. La pub. Blah, et voilà. Et ouais, et je regardais ça quand j'étais petit. C'est ce que j'allais te demander, c'est pour quel âge? Est-ce que c'est pour avant ou après Teletubbies? C'est après Teletubbies. C'est, on va dire, c'est pour les 5-6 ans, on va dire. D'accord. Mais, c'était, enfin, ici, Blabla, c'était 5-6 ans. Mais par contre, les dessins animés, t'avais tout. T'avais du Marcelino. Enfin, c'était pas Marcelino, mais t'avais genre Galactic Football. Oui, d'accord. T'avais des trucs pour les petits, genre Pépin 3 pommes. Je sais plus si c'est joué, si c'est Pépin 3 pommes, un truc comme ça. Donc, du coup, je regardais ça. Avec le méchant Wilbur, disque dur. C'était un gros monsieur. Le 509. Qui... Ah oui, c'est vrai, il faut prendre l'œuf. C'est un gros monsieur moche, roux, qui avait des sucettes, qui faisait que manger des sucreries, et qui était méchant avec Blabla. Et c'était le gros cliché du programmeur. Parce que bah, c'était le papa de Blabla, donc développeur, quoi. Et voilà. Et Wilbur disque dur, il puait les pieds. J'ai 26 ans et je kiffe quand même cette émission. Ah, oh, ça fait des souvenirs. Oui, non, j'étais juste, je me suis trompé de TP. Ah, non, ça va pas ça. Ah mince, en plus il y a la pluie là. Faut réinvoquer Yaglut, il va nous enlever la pluie. Et le pire, c'est que c'est vrai. Hein. Alors. Non, je glisse.
Attendez, j'ai même pas pris le confort. Oh, vraiment. Alors moi j'ai pris le confort, mais avec l'appui ça sert à rien, du coup je suis trompé. C'est vrai que dalle. C'est pas un seul. Ah non, c'est 3 œufs qu'il faut pour invoquer. Oui, mais j'en ai un, on prend chacun. Ouais, ouais, j'en ai un aussi. Moi j'ai mis le mien. Tac, on va prendre les flèches. J'ai testé avec les flèches d'obsidienne pour voir si ça lui fait beaucoup de dégâts. Bon, je pense qu'on va voir la différence. Hein. Au moins deux stuff. Bah, déjà, il va se prendre poison plus feu. Ça va piquer. Parce qu'il va un peu bégayer, quoi. C'est lequel? C'est Moder Yaglut qui est tout en haut, juste à gauche de la sortie. Entrée. Par contre, okay, à tout moment, il pète le portail en dessous. Hein. Non. Bah, vu quand il a détruit la montagne déjà? Non, mais ça, c'était pas nous, ça. Il y avait de la. Il y avait de la. Du minerai. Hein. Ça, c'était nous, on avait pété le minerai et la pierre, on l'avait pété parce qu'il fallait la pierre pour la muraille. Non, lui il invoquait juste les petits drakes. Il faisait quand même un peu de dégâts. Alors. Oui. Bon, on va aller rouler dessus. Je suis là. Vas-y, c'est parti. Moi je suis prêt. Partez-moi, Kiki. Faut appuyer sur l'hôtel. J'ai pas pris les potions de résistance au givre, mais c'est pas grave. J'en ai 4 si vous voulez. Oh, non, pas besoin. Pas besoin, au talent. Alors. Il va spawn là-bas. En rouge et noir. Je mangerai ta peine. Bon, on va attendre qu'il bouge plus. Allez, c'est le dragon ça. De Skyrim, tu descends. Sous ce rôde d'or. Alors, les flèches d'obsidienne lui font mal. Hein. Peut-être même plus que les flèches de feu, je pense. Parce que les flèches de feu, c'est pas fifou. Bah, il brûle, hein, mais... Hein. Flèche d'obsidienne, il se prend 74 de dégâts de flèche d'obsidienne. En vrai, je pense que du moment qu'il brûle, ça sert à rien de tirer des flèches de feu. Je pense pas que ça se cumule. Ah, attention, les explosions font très mal. Du coup, s'il y en a un qui a son pouvoir pour de Yaglut. Attends, je le mets. Oh, bah, non. Parce que moi j'ai moderne, mais dans 5 minutes encore. Oula, t'as pris cher, oui, moi. Ouais, j'étais en contre-barre du coup. Bon, déjà, on fait un peu plus rapide que la dernière fois. Ah, mais oui, mais il faut pas se coller aux cristaux parce qu'il les fait éclater. C'est les cristaux qui font très mal. Ne te colle pas aux cristaux, Emma. Alors, parfois, le serveur lag un peu. Des fois, je vois que je le touche, mais ça lui fait pas de dégâts. Ah, il s'est posé. Allez, corps à corps. Corps à corps. Complètement givré, lui. Ah oui, corps à corps, il prend masse, hein. Je lui fais 101 dégâts avec le coup critique du corps à corps. Par contre, c'est chiant, c'est qu'il est. Oh. Alors, on va prendre une potion de la gêne. Modère, pas modère, masse 2. Ah, hop, ouais, phase 2. Ah, oui. Ah, oui, c'est vrai qu'il est. Attention à toi, Jake.
Allez, on régène. Aïe. Allez, corps à corps. Je voulais, puis j'ai pas réussi à escalader la montagne. Oh le fuse, ok. Allez Jack, à mort. Ouais. Let's go. Modère en larmes. Cette larme de modère, la vache. Y a pas eu de trophée. Si. Vous avez eu le trophée. Vous avez eu le trophée ou pas? Ah, il est sur moi. Ah, ok. Parce que moi j'ai eu les larmes, j'en ai eu 7. C'est bon. L'arme, j'en ai eu 3. Ah, bon. Bah, du coup, on va reposer et puis on refait Yaglut. Bah, Yaglut il est en bas donc on peut y aller direct. Hein. Ouais, mais ah non, c'est pas la même montagne. Bah, non. Si, c'est la même montagne, mais j'ai pas les deuxièmes, les gobelins moi. Je les ai. Et surtout, moi, on va reprendre, je pense, des flèches. Ouais, moi, faut que je reprenne des flèches, par contre. Et réparer, je pense. Il vaut mieux, je pense, faire un alerto. Ouais, c'est plus prudent, copeau, flèche, ouais. Pas... ouais, parce que les flèches, ça va piquer. Hein. Surtout que perso, moi, j'ai pris des flèches de feu, donc... Mais je prends les cailloux qu'il y a à côté, quand même. Ouais, c'est des cailloux, ça sert à rien. Ouais, mais voilà, j'ai un peu de place. Des cailloux, ça m'énerve! Kaamelott, ce zéro! Alors. Flèche de givre, on va reprendre des flèches de givre. Flèche de feu, bah ça ne sert plus à rien du tout, du coup. Hop. 200 flèches de givre et 150 flèches d'obsidienne, je pense que ça va être bon. Je vais prendre plutôt des flèches de d'aiguille. Oui, d'obsidienne. Hop. Les larmes de modère. Ah tiens, faudrait tester les larmes de modère. Sur des présentoirs, voir ce que ça fait. Pareil avec le cube de Yaglut. Genre c'est des lampadaires. C'est pas mal. Du coup t'es en train de mettre le... Alors il est où? Où il est le beau dragon? Mazos tout dégueu. Et du coup modère... Et du coup, tu vas le mettre sur quel flanc Bah, tu le vois pas? Si, si, je vois modère, mais il y a glut. Bah, là. Tu mets le flanc en face ou... Là, ici, en face de moi. Ah oui, ouais. Ouais, il y a modère qui est là. Eh bah, nickel. Bah, moi, je suis prêt. Pas moi. Pareil, j'ai pris le repos, j'ai pu préparer tout le stuff et go. Repos, je suis à 15 minutes, donc je pense que ça va tenir le coup encore. Et puis En vrai, peu de temps que ça prend, tu peux prendre le repos. Hein. Parce que si jamais il faut reclean la zone un peu. Hein. Ouais. On y va en mode bourrin. Hein. C'est... Tout ce que j'espère, c'est qu'il va pas spawn en mode une étoile. C'est vrai que c'est possible. Alors là, c'est juste ça en fait. Déjà. Parce que là, s'il spawn en une étoile, c'est pas 15 000 de vie hein, qui a. Hein. S'il spawn une étoile, je crois que c'est 25 000. Hein. Ah, faut être encore plus patient quoi. Voilà. Un arrêt au stand pour récupérer les flèches. Ouais, c'est vrai que. Je sais pas pourquoi j'ai envie de reprendre des. J'ai envie de reprendre 200 flèches d'obsidienne pour avoir 600 flèches au-dessus avec moi. Au cas où. On a plus beaucoup de flèches, hein. Moi j'en ai pris que 100 de chaque, je crois. Ah, moi ça va, j'en ai deux. J'ai pris 200 d'aiguille, 200 de givre, donc.
Normalement, je suis paré. Du coup, c'est repère 1. Il est là, c'est parti. N'oubliez pas de reprendre les potions, si vous avez. Potions, ouais. Résistance feu, très revigorante et endurance. Grosse potion d'endurance. Et puis là on va changer de caillou hein, Et puis on va... Oh merde, le retour à Freeze. Attendez deux secondes. Le retour à Freeze. Non, c'est moi. Ah, tu m'as fait peur. Ah, c'est le petit Robert. Ah. Je l'éteins pas beaucoup, donc une fois par semaine, bah, il Freeze. Et ça, il faut que je l'éteigne de force. Bon, ouais, je préfère. Non mais t'inquiète pas, de toute façon j'ai toujours le retour hein, sur moi, hein, t'inquiète. Oui, mais j'aime bien voir ce que je rate. C'est pour ça. Tu veux voir le gros laser? C'est notamment sur le retour, je vais regarder le gros laser. Tu vois. Ah, mais c'est chaud, ça fait stylé l'effet que. Pourquoi il y a un cœur de Sterling qui est. Ok. Dans le camp des gobelins. Ah, j'ai écorce ancienne et cœur de Sterling. Donc les gobelins chamans, ils lootent ça. C'est possible. Je suppose que ça doit être le truc du bâton. Bah, moi je suis prêt. I am ready. Je vais faire un tour. Vous m'avez dit les flèches, c'est quoi le mieux, vous avez dit obsidienne? Non, givre. Moi je pense que le mieux c'est givre. Givre et. Bon, sûrement j'en ai 200 de givre, 200 d'aiguille. Donc, on se tente au cac cette fois. Givre. On fait que au cac. Allez. Mais en vrai, on aurait pu mettre les offrandes tout de suite, hein, parce que tant que tu t'appuies pas sur la pierre, ça n'invoque pas. J'arrive. Par contre, c'est moi ou il y a la nuit qui tombe? Allez, on va tenter de le faire de nuit. On peut le faire. Ah tiens, j'ai pas retiré mon truc de cadavre, c'est vrai. Pardon, la vache, j'ai un coup de barre. C'est le premier jour de la semaine et j'ai un coup de barre déjà. Allez. Alors, potion de résistance au feu. Alors là, vous allez, il pleut, bah il va plus pleuvoir. Ça va même réchauffer l'atmosphère, je pense. Toi l'honneur, il me rate. Ouais. Est-ce que c'est un honneur? Je ne sais pas. Allez, où est-ce qu'il spawn? Attends, il spawn là. Il spawn juste en face de toi, il me rate. Déjà, c'est bien, c'est qu'on peut le taper quand il sort de terre. C'est moi ou on lui fait beaucoup plus mal? Je sais pas. Oui, on lui fait carrément beaucoup. Crash. On lui fait carrément beaucoup plus mal. Mais on a rien changé? Je sais pas, ouais. Météor? C'est toujours sur Jack hein, les météores. Hein. Tu sais. C'est pas possible. Je vais essayer de comprendre le message que le boss me fait passer. Mais... Ah si, il bouge, ça y est. Effectivement. Du coup là il fait sa zone d'explosion qui fait très mal. 375 de dégâts, oui quand même. Météore. Ça va, c'est tout le caillou qui a pris. Ah mais les météores ils restent. Un peu long. Oui ils restent au sol un petit peu. Ouais. Celui-là je voyais qu'ils étaient en train de rouler sur. Arrête de faire trembler l'écran, j'arrive pas à viser. Allez, viens petit gobelin. Météore. Comment ça, gobelin? Y'a des gobelins?
Non mais... Oh, le boss. Ah, une moustique par contre. Ah, je me charge du moustique. Le boss, dans le wiki du jeu, il est dit que c'était peut-être l'ancien roi gobelin. D'accord. Moustique, c'est bon. Faut pas installer sur moi le boss. Météor. Aïe. Dragon. Aïe. Ne pas rester à côté de Jake. Ne pas rester à côté de Jake. Après, je suis dans la règle de survie. Je suis dans le doigt. Hein. Pas ouais, ouais, ouais. Alors par contre, il est sur tout. Hein. Wow, par contre, reprends une potion de résiste de vie, Jake. Parce que là, il va te la faire laser. Et il est proche de toi pour faire son explosion. Donc attention. Et oui, on lui fait carrément plus mal et plus mal que d'habitude, je pense. C'est pas du tout en... Météore. Oh putain, j'ai pas anticipé. J'ai pas vu non plus. Mais alors, vérifiez bien. Oh, punaise. Oula, oui, bah oui, il a pété le caillou. Oh, oh le freeze. Oui, ça ouais. Lag, hein, ça lag. Hein. C'est... Bon bah, il y a un doigt en moins. Vous voulez pas un whisky d'abord? Juste un doigt, il est. Bah je pense qu'il l'a eu là, hein. Maintenant c'est bon. Hein. Monsieur est commissaire de police. Aïe. Aïe Pepito. Oh punaise. Adieu. T'es mort? Non, mais ça s'est pas joué à grand chose. Mais comment ça se fait? Il fait le laser ou... Je sais pas du tout, là c'est... Parce que t'es où là? Encore là, je me cache. Potion de feu, c'est enclenché, il y a tout enclenché en fait. C'est juste... Sur Jake de toute façon. Hein. C'est ça en plus. Elle est bientôt mid-life. Meteor. Une explosion. Une explosion. Il va élever les bras, hein. Mais Dinard, ça... Ça sent mauvais sous les doigts, sur les bras, hein. Je peux vous le dire, c'est chaud. Il fait plus de dégâts au gac ou pas? Ouais, un peu. Il fait 67, 51, 153. Ah oui. Mais en fait, j'y vais quand j'ai ma potion de régène de santé. Parce que du coup ça brûle, ça fait le feu. Parce que oui, le feu ça brûle. Ah c'est bon vrai, ça c'est dingue, hein. Mais c'est surtout. Ça commence à piquer un peu. Hein. Attention, Jake, il vient sur toi. Ouais, j'ai vu. Attention. Attention, météore. Ah, c'est sur moi là, cette fois. Il aime varier le plaisir. Il est où? Ah, il s'en va, il... Reviens ici. Il y a un assaut? Oui! Oh putain! Il y a un assaut c'est... en même temps! C'est quoi l'assaut? C'est quoi l'assaut? Parce que j'en voit sais pas... rien. On voit pas le texte. Je vois pas du tout ce que c'est. Je sais pas. Je vois pas d'attaque. Sur la carte. Je vois pas de mob arriver. Non, moi non plus, je vois pas de mob, mais. Après, peut-être que l'assaut a spawn, mais que comme on est avec sur le boss. Je sais pas que c'était possible ça. Parce que j'entends rien du tout. Adieu.
Oh, j'ai vu une cascade. Ou alors, la zone, elle était pas là tout à l'heure. Ah bah non, c'est vrai, tout à l'heure, elle était pas là, donc ouais, non. Non. Mais après, ça va, on n'a pas le texte, donc attention, grosse explosion. Bah, toi qui n'as pas le texte, pas trop de panique à avoir. Alors, c'est bon, une fois qu'il sera mort, on risque de se faire full attaquer, quoi. Ouais. La potion de feu qui est carrée, quand même. Ah oui, carrément. Sur ça, je vais attaquer au cac. Explosion. Ça va. Je peux régénérer. Explosion. Météor. Non, explosion. Météor. Ah non, ça va. Explosion. Je les régène un peu. Ah bah, prochaine fois qu'il lève le bras, c'est le météor. Je le vois plus, il est là. Météor. Météor, ouais. Attention. Sur Jake et toi et moi. Laser. Ah, mais ça fait des dégâts électriques son laser. Arrête de crier, Jean-Paul. On n'a pas peur. Ah, j'ai plus masse d'os. Est-ce que quelqu'un a le buff. Bah, Yaglut, du coup. Une minute. Une minute, ok. Je peux le mettre, moi. Mais il faudrait qu'on se groupe. Ouais. Parce que si vous voulez, on peut aller le faire au cac si on. Go au cac. Venez au cac là, maintenant. Et qu'elle touche, c'est F. Hein. Vas-y, t'en, on te rejoint. Vas-y. F. Allez, vas-y, c'est go. Allez. Prenez vos potions, n'oubliez pas. Aïe, 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 c'est mal. Le feu, ça brûle, hein. Tâchez-le. Faut les potions d'endurance. Potion de régène, potion d'endurance, c'est parti. Paf. Et l'assaut est terminé, donc ils vont peut-être spawn. Il y a la zone qui a despawn. Ouais, ouais, la zone a despawn. Tant mieux. Hop, j'ai la tête de Yaglut. Et c'est le doublé du soir. Et ouais. En vrai, je pensais qu'elle allait être plus compliquée que ça. Ça va quand même. Oui, oui, non mais. Oui, mais. Il est compliqué, donc mais. Il y en a qui sont pris de. Tout mais je trouve, doigts, je trouve que, genre, ouais. Par rapport à un ancien ou à un Mazdos, il est un peu plus simple. L'avantage, c'est que, comme on est nombreux, il est très peu mobile. Ouais, bah, après, faut dire, ouais, la première fois, c'est vrai qu'il était buggé, il bougeait pas. Bon, bah, nickel. Bon, faut le refaire, c'est ça, pour détruire le reste des doigts. Hein. Ouais, non, c'est bon, là. Non, mais regarde toute la pierre, là. Nous qui voulions de la pierre, en fait, on aurait dû péter les doigts avant. En vrai, on aurait été. Ouais, challenge. Tu fais le boss, mais tu pètes tous les doigts avant. Ça, y a pas moyen de. Y a pas d'endroit pour te. Te sauver. Bon, du coup, on n'aura pas beaucoup de forêt, cette grosse plaine qui fait quasiment tout ce continent. Ouais. Hop. Et on a, pour rappel, enfin, l'emplacement de ce boss, on est tombé par hasard dessus parce qu'il y avait le boss montagne au-dessus. On l'a pas trouvé de manière legit avec. La pierre. Et les pierres rouges dans les plaines, c'est quelque part, c'est pas dans des villages, c'est pas dans des tours. C'est, il y a des formations un peu à la Stonehenge. Et il y a une pierre rouge quelque part là dans cette formation là qui nous donne l'emplacement du boss normalement. Probablement dans la plaine là. Hein. Quand j'irai, c'est dans les plaines sûrement, différentes. Ouais. Après, ouais, c'est vrai qu'on l'a. Je me souviens encore avec Jake. C'est quoi ce truc là-bas? Attends, viens, on va aller regarder. Ah, mais c'est le truc du boss en fait. Ah, ouais. Tu vois, bon, d'accord. Du coup, ça les écorce, c'est là. J'ai la tête, hein. J'ai la tête de Yaglut. Non, tu peux aller l'accrocher directement, il y a le support. Ok, hop. Moi, je vais réparer.
J'ai testé un truc. T'as pris des dégâts. Oui. Bah. En vrai, j'étais à la moitié de mon arc pour Yaglut. Pas fait gaffe, mais il a bien tenu quand même. Ouais. J'ai alors par contre, j'ai utilisé. J'avais 200 flèches de givre. J'en ai utilisé 124. Hein. Ouais, les autres, Yaglut Think de la laisser d'avant. J'ai des primes parce que je voudrais voir ce que ça fait sur un présentoir. Ah. Donc je vais les reposer après, hein, mais c'est juste pour voir comment ça rend. Du coup, les mettre à la taverne. Bah, essaye-le directement. Faut que je mette un présentoir. Alors, il est où le présentoir? Il est là. 4 bois précieux, un clou de bronze. Ah, je suis trop loin. Ah, voilà. Donc du coup, là, la tête de Yaglut. J'arrive. Ah, en plus, ça fait vraiment le crâne en dessous, quoi. Ça fait... C'est bête, mais... J'imagine trop. C'est tu fais un trou dans le mur. Et tu mets des flammes derrière. Tu vois, genre la torche... Punaise, il est grand. Non, mais la torche... Ah ouais, franchement, je trouve il est aussi grand que Mazos. Du coup, ça, là... du coup, attends, ouais, du coup, je vais mettre en présentoir... je vais juste prendre, genre là, les piastres. Voilà. C'est 5. Je vais prendre la chope. Voilà. Du coup, ça fait... Ah, on peut pas attacher. On peut pas les mettre sur le présentoir, ok. Dommage. Ouais, j'aurais bien voulu parce que ça aurait été stylé. Mais non, on peut pas. Tant pis. Bon après je pense que c'est surtout... T'as piqué la corne. Mais non, je l'ai remise. Ah bon? Bah oui, je l'ai remise. Moi je la vois, moi je vois qu'il y a pas la corne. Ah, bah je l'ai reposée, parce que moi je l'ai plus dans mon inventaire. J'ai rien fait. Non, c'est bon. Non, c'est le lag serveur, elle vient d'apparaître. Ouais, pense ça, c'est un gros map, tant qu'à faire. Ah oui, c'est vrai, oui. Pas beaucoup, mais... Je vais aller reposer. Moi, j'ai juste exploré tout à droite, là, pour aller à la limite. Pour voir la limite, mais... j'ai pas tenté d'aller... Je suis pas allé au bout. Et du coup, dans le tout à droite, c'est du Grand Nord. Si on... Cette tête dans le coin est quand même incroyable, hein. La tête de l'Ox, hein. Ouais. Oui. Ah oui, du coup, t'as posé le trophée chaman ou pas? Oui, il est posé. Ah, du coup, attends, j'arrive. C'est pas fifou. Bah, t'es sûr, du coup... C'est un casque à plumes, quoi. Du coup, il nous reste... C'est un à-coup à-coup avec la moitié du visage en moins. Du coup... Ah ouais, non, c'est vrai, le berserker, on l'avait aussi. Donc, on les a tous? Non, il manque le serpent de mer. Ah oui. Il devrait être... Franchement, tu vois la différence entre gobelin, berserker et chaman. Hein. Ouais. La vache. Ah oui, c'est vrai, il y a serpent de mer. J'étais venu pour les cartes. Hein. Alors, hop. Du coup, oui, j'ai oublié de consigner, mais du coup, ouais, tout à droite. Tout à droite. Normalement, il y a un donjon des montagnes et un œuf de dragon. La partie à côté, après de la montagne, c'est vraiment du Grand Nord. Et après, il y a la limite. Et du coup, bah, t'as fait un arrêt dans le Grand Nord ou pas du tout? Je me suis arrêté, mais il y a rien. Enfin, c'est de l'iceberg en fait. C'est de... Ouais, mais il y a pas de mob, il y a pas de végétation. Non, il y avait pas. Enfin, là, c'était vraiment petit, mais non, j'ai pas vu de mob. D'accord, j'ai donc pas c'est vu comme de... pour les terres brumeuses pour le moment. Okay. J'ai pas vu de mob, j'ai pas vu de machin, c'était vraiment là, c'est l'Antarctique à mort quoi. Je m'étais même dit, tiens, je vais peut-être voir des pingouins. On sait jamais. Eh ben non, elle est pas de pingouin. J'ai posé les potions de feu et de... Ouais, moi j'ai posé les miennes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on peut chasser du serpent si on en trouve. On peut aller chercher des serpents?
On peut essayer, mais c'est random, hein. Aussi bien on n'en trouve pas. Hein. Oui, bah on peut tenter. Après, il est 22h49. 22h39. On peut quand tenter. Vous le sentez. Si, moi, je peux aller jusqu'à 23h30 à peu près. Ça fait une heure. En vrai, on peut tenter sur. Donc, si vous voulez, en une heure, on peut tenter de chercher. Ok. Je vais prendre les flèches aiguilles. Il faudrait que. Je vais prendre le harpon. Le harpon, il était dans quoi? Ah, il était dans un truc de pêche. Merde. Vous voulez pas prendre le buff de modère avec moi, comme ça, si je l'ai pas, vous pouvez le mettre? Ouais, c'est vrai que oui, ça sert à rien vu que ça va être que des flèches. Mazda aussi va nous servir à rien. Je vais aller prendre modère aussi. Modère, c'est le vent, c'est ça? Ouais. Oui. C'est. Ça te fait le vent dans ton sens. Mais que s'il y a du vent. Genre, s'il n'y a pas de vent, le pouvoir sert à rien. S'il n'y a pas de vent, le pouvoir ne te servira à rien. Il va te mettre le vent dans ton sens, mais. Mais si, en fait, le pouvoir met forcément le vent dans ton dos, donc il fonctionne forcément le pouvoir. Oui, mais si t'as pas. En si bateau, ça fonctionne toujours. Si t'as pas de vent, enfin, c'est ce qui est marqué dans le wiki, si tu n'as pas de vent, que c'est vent plat, ça te mettra le vent dans ton dos, mais t'auras pas de vent. Ça va juste mettre le sens du vent, en fait. Non, moi j'ai utilisé le pouvoir la dernière fois, ça a toujours fonctionné. Ça avait fonctionné ? Ah oui, oui. Peut-être que le wiki. Jamais eu de problème. Et le vent il est toujours actif, c'est juste qu'il y a un quart de la boussole où il est pas actif. Mais il est toujours présent le vent. Moi j'ai mes flèches, le harpon. Qu'est-ce que ça fait là ça ? Je vais reprendre le reposer, puis je monte dans le dracard. Le harpon, ouais, prenez des flèches au cas où. Ouais. Vous avez j'ai 200 flèches d'aiguille et 76 de givre. Pour moi, c'est bon. Et j'ai... Moi, je prends le feu pour le machin. Flèche de feu hein bah, non, pour le serpent, oui, c'est pas là. Bah non, ça... prends des flèches de fer plutôt, parce que le flèche de feu, il va s'éteindre tout de suite, vu qu'il est dans l'eau. Ouais, t'as raison. Et j'ai pris le harpon. Flèche de givre, comme ça fait une banquise et les ours polaires pourront revenir dessus. Ah, allez, on va résoudre le changement climatique. Voilà. Quand même pas. Élisez-nous, hein, dimanche, second tour. Par contre, ouais, parce que là, la dernière fois, on avait visité les points où il y avait des serpents. Il y a peut-être. Ah si, il y en a peut-être. Ah, en gros, en vrai. Attends, tu m'as dit flèche de fer. Ouais, flèche de fer, obsidienne, hein. On a tellement. Quelqu'un peut prendre le harpon du coup? Il est où? Merde, non. Attends. T'inquiète, au pire, je prends le gouvernail. Ouais, voilà, c'est bon. Je l'avais jeté. Non, mais c'est. C'est parce que, en fait, je m'étais trompé. J'avais flèche avancée, sauf que je voulais le jeter. Réparer le bateau avant aussi également. Il me l'a donné le harpon. Ouais, j'ai donné. Ouais, je l'ai récupéré. Ouais, désolé, j'ai oublié de le dire. Réparons le bateau avant de partir, quand même. Voilà. Ouais, bon. C'est. Il y aurait dit, c'est parti. En vrai. Attends, je regarde la carte. Il y en a un tout. Alors, réparer le bateau. Que, au passage. Vous tournez faut replier la voile là. Ouais, vous tournez la voile et ça fonctionne. Ouais, mais attends. Il bouge plus. Allez, ouais. Sur ton trajet vers le nord, là-bas, il y avait des serpents. Dans le nord, vraiment tout au nord. Si tu vois le point sans vers intérêt. Vers le grand nord. Non, il n'y avait pas de serpents. Bon, par contre, allez, je rame là, avance. Grand nord, non, il n'y avait pas de serpents. Allez, c'est parti, full puissance. Il y en avait qu'un seul tout en haut, mais. Tu vois le point sans intérêt? Tout en haut? Ouais. Il y en avait, bah, je crois qu'il y en avait. Enfin, il y a un point dragon à côté. Après, puis on se balade. Hein. Est-ce qu'on prendrait pas un truc pour faire un portail au cas où? Trop tard. Pour revenir. Par contre, je suis à 37 FPS. Allez le jeu. Plus je m'éloigne de la maison, plus je gagne de FPS.
Est-ce qu'on peut soit aller tout au nord pour explorer un peu? C'est comme vous voulez. Bah, en vrai, moi je partirais plus au sud, comme ça on peut croiser la zone à serpent et continuer encore plus au sud. Ah oui, ouais, du coup, il faudrait faire un Parce grand tour. que. Donc, tu as trouvé du Grand Nord sur l'extrémité est, Ouais. mais à l'extrémité nord-nord, c'est sûr et certain que c'est du Grand Nord. Ah oui, mais on n'a pas trouvé les terres de feu, ouais. Et à l'extrémité sud, c'est sûr et certain que c'est des terres de feu. Donc ouais, on peut aller vers le sud. Sachant qu'on sait qu'on va rien y trouver, hein, c'est juste Oui, quoi, oui. elles sont localisées pour un jour. Bah, de toute façon, moi, la partie Grand Nord que j'ai trouvée, franchement, c'est une petite île. Pour moi, c'est juste une partie comme ça, je pense. Direction. Là tout droit et après on va faire un Tokyo Drift pour aller à la zone des serpents. J'ai ma cape qui traverse le bateau. Tout est normal. Ouais, c'est ça. On va décaler un peu à droite sinon on va aller dans la terre. Hop. On a le vent pile derrière, devant, enfin derrière. C'est parfait. Ouais. Dommage qu'on peut pas les peindre les bateaux. C'est censé être prévu. Ah, parce que ouais, personnaliser la carte, ça aurait été cool. Ça veut viser un vieil article qui était feuille de route 2021. Ah. Ça remonte un peu. Parce que les Mistlands et les Terres Brumeuses auraient dû sortir en 2021. Ouais. Avec le Covid, Et c'était avant ça, il y avait l'idée de plus de housing, crafting, tout ça. Donc ça a été fait. Ouais. Plus de personnalisation pour les bateaux. J'ai pas l'impression que ça a été fait. Ou alors j'ai raté un truc. Bon, non. Et aussi plus de choses liées au biome de l'océan. Il n'a pas été Ah. fait. Il y avait des Oh. faits. Que ouais, à part les serpents et les tortugas, y a d'autres dans l'océan. Non. C'est en cours, mais bonne Ouais, nouvelle. quand même. Ouais. Après, ils ont tellement beaucoup, ils ont beaucoup de trucs à faire. Je crois qu'ils sont qu'une vingtaine, je crois. Ouais, c'est un tout petit studio. Ils font. Ah. Mais ils sont assez. Ils échangent beaucoup sur Twitter et sur leur Discord avec la communauté. C'est pas mal ça. Il y en a, ils repartagent souvent les plus belles créations, mais je crois qu'on avait parlé l'autre fois. Il y en a, ils ont. Oui. C'est plus l'architecture, quoi, c'est de l'art. Oui. Ils ont des PC de guerre et puis ça. Mais je crois qu'il y en avait un, il avait fait un château fort et tout. Alors déjà que nous on galère avec la muraille, mais alors lui avec le château fort, je me demande comment lui qui joue. Ah, lag serveur. Ouais. Accrochez-vous bien, parce que moi là j'étais TP, hein, littéralement. Donc tu tiens la barre, normalement tu tombes pas à l'eau. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, parce que là ça fait. Le bateau bouge plus et hop, téléportation. C'est bon. Et puis là ils nous sortent un nouveau bateau, le Drakkar, le Drakkar Big Plus, le Titanic. Alors on va peut-être se faire agresser par des sangsues.
Dire que maintenant le marais il nous fait même plus peur. Tellement. Je me souviens encore des streams où on galérait pour le marais et puis maintenant c'est. Même la plaine maintenant je trouve que. À part peut-être les moustiques qui sont plus agressifs. Moi les moustiques je m'en bats un peu les steaks en vrai. C'est pas les moustiques qui me gênent, c'est les berserkers. Après, ouais, oui, c'est les plus résistants ouais, pour le moment. Ouais. Allez, le vent. Non, non, le vent, tu tournes pas. Tu arrêtes. Oula. Petit rollback. Bon, je peux vous dire que pour aller vers le sud, va falloir utiliser. Le pouvoir de Modère. Allez. Voilà. Je peux pas le mettre, il me reste 40 secondes. Ah, c'est bon, j'ai réussi à le mettre. Mais en fait, il faut lâcher la barre et le mettre. Ouais. Faut lécher la barre? Non. Waouh. Ouais, si tu veux. Non, non. Après, tu vas avoir des échardes et tout dans la langue, ça va s'infecter, tu vas devoir manger de la soupe. Ça me dérange pas la soupe. Ouais, non. Non, moi j'aime pas ça. Quand j'étais petit, apparemment, je faisais que en manger, mais mon cerveau s'est dit « Attends, il y a une douille là. Arrête ça tout de suite. » Donc, du bouillon, oui, de la soupe, non. Je ne peux pas. Et une soupe avec des légumes solides et pas mixés. Ah non non même pas. Enfin bah oui c'est du bouillon quoi. Une soupe. Waouh ouais. Bouillon biscotte ouais ça passe. Mais non soupe en mode mixé. Non je peux pas. Moi la soupe j'aime bien prendre les soupes en comme les briques de lait là. Ouais. Ça je peux pas. Ah oui, les veloutés là, ah, ça me ouais, va, ça c'est encore pire. Par contre, si tu branches des croutons dans ta soupe, je veux bien manger tes croutons. Mais que les croutons. Branché? Non, t'es que des croutons. Attends, t'as dit quoi? Des croutons dans ta soupe. Oui. Si tu prends des croutons dans ta soupe, je veux bien manger tes croutons, mais je te laisse la soupe. Bah, autant manger du pain. Non, parce que c'est des croutons, c'est meilleur. Parce que c'est des croutons avec. C'était souvent. C'était une marque, je ne citerai pas, qui faisait de la soupe en sachet. Il y a deux drogueurs solitaires là, droite. Qui faisait de la soupe en sachet. Et derrière, il faisait un petit sachet de croutons à mettre après ensuite. Du coup, moi, je mangeais que les croutons. Et je laissais la soupe à ma mère. Ah là là. Bah c'était des petits croutons hein. Ah mais moi tu fais des croutons avec un peu d'ail. Bah, c'est bon. Tu m'as conquis. Hein. Par contre j'ai beaucoup de rollback là. C'est moi ou. Ça va, ça a l'air d'aller. Ouais, c'est peut-être que le bateau, il aime pas trop. Je sais pas si toi t'en avais beaucoup quand t'avais fait la grosse session. Ça arrivait. Mais. Ça arrivait. J'ai peut-être zoomé, ça va peut-être aller quand même. Ça, je verrai rien de ce qu'il y a dedans. Allez, le bateau. Bon, vous faites les chansons comme dans Assassin's Creed 4? Oula! Je fais la touche, je cherche la touche pour faire la chanson. Allez, chanson de marin. Nous sommes perdus.
Ça me fait penser au jeu Skull and Bones, qui devait sortir normalement cette année. Enfin, qui doit sortir normalement cette année. Et qui n'a plus d'infos. Hop. Alors. Ah, des nouveaux serveurs pour Warcraft TLK classique vont ouvrir. Ouais, ils vont bientôt faire la transition avec le pré-patch. Ouais, mais ils vont faire des nouveaux serveurs pour vraiment repartir à zéro. Ouais, bon. Mais ils l'avaient dit, de toute façon, que ça allait être... Bah, je pense... Comment ils ont fait pour baisser ? Non, BC ils ont. Enfin, oui, ils ont gardé des nouveaux. Non, BC ils ont passé tout de suite. Ils ont bah, fait. Il y a Vanilla, ils ont fait serveur BC où on pouvait passer sur le red serveur et faire pareil pour quelqu'un. Il y avait. Il y a encore des serveurs en Vanilla ? Ils sont pas tous oui. passés sur BC ? Non, non, il y en a encore. Ah, ouais, je pensais qu'ils étaient tous passés sur BC, moi, les serveurs. Bon, ils ont dit qu'il resterait pas de serveur BC. Et tout est-ce va que être... vous pouvez mettre Modère, s'il vous plaît ? Je le mets. Merci. Du coup, on a... Voilà, c'est bon. Ils ont dit il restera pas de serveur BC, ils vont tout faire passer sur TLK. Ah ouais. Ouais. Ouais, parce que là, en gros, je vois apparemment ils vont faire des nouveaux serveurs au TLK classique pour que les gens puissent, comme ils disent, fonder de nouvelles communautés. Et de tous et toutes parties, toutes et toutes partir au même pied d'égalité. Après, ce qui est un peu normal, tu m'étonnes s'il y en a un qui a farmé au TLK classique, enfin BC et Vanilla, le contenu au TLK va pas tenir. Hein. Déjà que le contenu Vanilla, il avait même pas tenu une journée. On peut voir dans quelle mesure ils font ça, parce que le nombre de joueurs qui ont justement repris un abonnement à WoW Classic pour farmer sur BC, pour préparer TLK, si au final tu peux rien récupérer de ce que tu avais avant, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont râler. Hein. Bah, je pense que ce sera vraiment que c'est des serveurs très spécifiques, hein, je pense. On va faire les deux. Alors, nous avons j'espère pour eux, parce que sinon on va se faire casser les doigts. Hein. Nous avons l'intention d'ouvrir les royaumes nouveau départ pour les joueurs qui souhaitent découvrir un nouveau personnage et jouer aux côtés de nouvelles communautés. Pendant au moins 90 jours, vous ne serez pas autorisé à utiliser un sésame, un personnage sur un personnage sur des royaumes de nouveau départ. Pendant au moins 90 jours, les royaumes nouveau départ ne seront pas des destinations disponibles pour les transferts de personnages. Les chevaliers de la mort ne peuvent pas être créés sur ces royaumes sans un personnage de niveau 55 sur ce même royaume. Bon, ça c'était comme avant, ça. Ce qui est normal. Ça change pas. Non mais c'est... Enfin c'est cool je pense. En plus... Après c'est plutôt ouais ceux qui veulent vraiment jouer... vraiment ouais en fait c'est pour tous ceux qui veulent rejouer comme à l'époque, comme si c'était un nouveau serveur avec un nouveau perso. Ouais. Ça oblige pas tout le monde à aller dessus quoi, c'est vraiment pour ceux qui ouais, veulent. Ouais c'est ça. Ouais. Après ouais c'est pas mal, tu veux recommencer toute l'aventure. Après, est-ce que côté BC, ils avaient déjà un peu on va dire facilité le jeu je genre, sais plus genre, du tout. Genre niveau quête, je sais pas toi, ou Jack qui avait commencé sur WoTLK. Non, j'avais commencé sur BC. Ah oui, enfin, ouais, qui est du coup, joueur WoTLK, c'était plus facile de WoTLK que BC ou... Non, pas spécialement. Ça changeait pas grand chose. Pour moi, BCTLK, en termes de difficulté, ça allait, c'est à partir de Kata où ça commence à devenir casu. Ah oui, ouais donc. La seule différence, c'est le matchmaking qui est arrivé à un TLK. Hein. Ça qui a vraiment fait la différence. La recherche de groupe ? Oui. Ah oui. Parce qu'avant, c'était recherche dans les chats. Oui, c'est vrai, Bah, mais sur Vanilla maintenant, et BC, t'as quand même une recherche, mais.
Oui, moins, ils ont apporté des choses moins poussées. T'as une recherche où c'est en gros tu t'inscris sur une liste et après tu dois contacter la personne où tu peux voir les membres de la liste qui recherchent aussi. Donc c'est une recherche de groupe, mais c'est toi qui dois faire la recherche, quoi. Après c'est ce qui est normal. Bon alors, des petits serpents. Est-ce qu'on va en trouver? Parce que je crois qu'on en a vu que 4 depuis le début, non? Ouais. Alors, par contre, là, je vois que dalle. Hein. Avec la brume, le reflet et la bah là, le seul truc, ce sera le changement de musique. Hein. Ouais. Et le cri, hein. Tout ce qu'il nous dira. Ouais. Je viens juste qu'il n'y a pas un... Heureusement, ça va, il y a la minimap, donc je peux voir que c'est la mer qui est en face. Mais... Un peu trop. Là, on va arriver dans l'inconnu. Je pense qu'il va peut-être. Je vais peut-être le vent. Au contraire, je sais pas. On nous dit le vent. Le vent, on n'est pas. Et dans notre dos, donc c'est parfait. C'est parfait. Tiens, au fait, du coup, Jack, t'as rattrapé Bioshock ou pas? Pardon? Tu as rattrapé Bioshock? Pas en entier encore. Pas encore? Et du coup, du début que t'as vu, ça te plaît? L'histoire est toujours hyper prenante, c'est bien écrit. C'est pas mon style de jeu auquel je jouerai. Parce que j'ai un peu du mal à... Il y a trop de choses un peu partout, je trouve. Mais je préfère le voir. Là, il n'y a aucun problème, voir. Les graphismes sont quand même très très bien. Les effets sont bien. Mais vraiment, le gros point fort pour moi, c'est l'histoire. Ah oui, ah bah ça, on va dire, c'est un peu les jeux Bioshock. Hein. Sur ça. Mais pour moi, c'est. Il y a tellement de choses à voir entre des replays du vidéo. Y a les streams, j'en regarde plus trop, j'ai plus trop le temps. Il y a. J'ai pas fini les Agents du Shield encore, il manque la saison 7. Ah j'ai oui. commencé une série qui s'appelle Community, que je voulais faire oui. parler. Et j'ai enfin commencé et j'ai dévoré la première saison, mais vraiment. Ah, c'est. Alors, si t'as bien aimé Community, quand t'auras le temps, je te conseille également. J'ai perdu le nom. Michael Scott Company. Ah, en plus, je crois que j'ai les DVD juste derrière. Où est-ce qu'ils sont les DVD? The Office. Voilà. Oui, oui, je l'ai mis dans la liste il y a un moment, mais pareil. Alors, par contre, The Office, je te le conseille en anglais. En mais je regarde Community en VO par contre. Hein. Ouais, franchement. Sur ce, que ce soit Park and Recreation, Community et The Office, je te les conseille en VO, en VOSTFR parce que on va dire que la VF c'est non, pas non mais il y a des ça. Choses que je regarde en VO et par contre il y a des choses comme la série Marvel du moment, c'est Miss Marvel, je regarde en français et Obi-Wan ah oui. je regarde en français aussi. Ah oui oui, moi les autres séries ouais, franchement il y a les seules séries que je regarde en VO, c'est soit les mangas, enfin ça dépend lesquels. Mais ouais, The Office, Community et. Il y a The Good Place aussi, je sais pas si t'avais déjà vu. J'ai entendu parler, ouais. The Good Place. Ouais, en ce moment, il y a trop de choses à voir. Il y a oui. ce mois-ci, dans quelques jours, là, il y a Umbrella Academy aussi. Oui, aussi, oui. Il y a Stranger Things, j'ai rien vu, jamais rien vu de Stranger Things parce que je sais pas pourquoi, mais ça me parle pas. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, il va falloir que je regarde. Oui, c'est pas mal, franchement, c'est... Mais, je sais pas, moi j'ai vu les 10 premières minutes du premier épisode, j'ai coupé, quoi. Alors, je t'avoue, il y a certains moments, moi j'avance, c'est chiant. C'est pas... C'est vraiment long pour rien.
Par contre, bon, niveau effets spéciaux, ils gèrent, franchement, sur ça. Plutôt sur la saison 2 et 3, où y a vraiment beaucoup d'effets spéciaux bien faits. Puis après, c'est vraiment les années 80, quoi. Genre là. Ah! Hop, hop, hop! Demi-tour! Alors, on ne voit rien. Ah, on voit. Oh! Je le vais en arrière. Je lag. J'ai harponné. Il est de l'autre côté, Duke. Je la reconnais. C'est moi, il y en a deux. Je la reconnais encore. Ouais, en fait, tu peux la reconnaître qu'une fois. Hein. C'est dès qu'il te dit le harpon a lâché, tu peux le renvoyer. Hein. Ouais, je sais. Mais je sens que ça me le fait souvent. Qu'il part trop loin. J'ai le vent. Il y en a deux, il y en a. Non, c'est. Ou alors il y a une grande. Il y a une eu un lag ou. Il est mort. Oh, il y a un trophée. Ah bah. Let's go. Trop bien. J'ai arrêté le bateau. T'as le trophée? Ouais. Eh bah, il y a encore un truc sur le bateau, non? On rentre à la... sous l'eau, c'est bon. Ok. On rentre à la maison ou on continue? Oh, continue, continue. C'est parti. GG. Eh bah ouais, du premier coup, tiens. Ouais. Le pire, c'est que je en plus on le voyait que d'elle avec la brume. Le ping, quand même. Hein. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Juste. Je vais pas utiliser de bouffe. Hein. Le bateau, ça va, il a perdu. Allez, même pas 15% de sa vie. Au pire, on s'arrête sur un rebord et on répare. Hein. Wow. Il y a un arbre mort sur le côté bâbord. Si jamais. Un arbre mort bâbord, c'est à gauche. Ouais. Je le vois même pas. Ah si, oui, je vois la visu, d'accord. Mais ouais, Stranger Things, c'est pas mal. C'est... Certains moments, c'est long, mais... Mais bon, c'est... Comme là, c'est... Moi qui n'ai pas vécu dans les années 80, bah... Enfin, quoi... Ça a beaucoup de trucs. Et nous non plus, hein. C'est vrai. Ouais, mais bon, tu sortais des années 80. Non. Wow, wow. Non. Deuxième serpent. 90, monsieur. Deuxième serpent, ouais. Deuxième serpent. Comment ça, serpent? Ah bah à gauche. Ah oui, bonjour. Et salut toi. Viens là. Ah, je l'ai eu. Je me mets en mode rame. S'il te faut des flèches, tu le dis, hein, Jack, je le. Non, ça va. Ouf. Pique. Hein. Harponner nouveau. Faut pas qu'il casse notre navire quand même. Je braque, hein, je braque, je braque. Il harponné. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Arrête! Merde! Ah, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Ah bah, un deuxième trophée. Oh, hein. Alors, demi-tour. Bip, bip, bip. Allez. Oh là, oui, c'est. Oui. Allez, Il a moitié de la vie, hein, le bateau. Ouais, dès qu'on voit une terre. Je le vois une terre au loin, par contre, il veut pas avancer, le bateau. Oh, attends, je couche plus. Il rapproche-toi un peu, quand même. Ah, c'est bon, il bougeait plus. Au pire, ne bouge plus, hein, du moment que tu bouges plus. C'est surtout que j'ai le vent contraire en fait. Ouais, mais tu peux ramer quand même, justement. Ouais, c'est pour ça.
Les modères, je l'ai dans 1 minute 25. Je ne vois même plus de jet qu'avec le reflet du soleil. Ah, c'est juste ébloui, c'est pour ça. Attends. Hop, je me mets carrément bien droit. Voilà. Un homme à la mer, vite! Alors, si quelqu'un a le buff modère, c'est parfait. C'est parfait. Après. Je vous rassure tout de suite, je fais pas ça IRL. C'est bon. On est déjà monté dans un bateau suspendu, sauter d'un bateau. Imagine, c'est ma serpe de mer qui est arrivée en plus derrière. C'est toi. Mort! Allez, accroche! Oh, is! Voilà, ouais, allez, c'est reparti. À la bande tout là. On voit à côté marée pour aller réparer. Oui, ou pas. Est-ce que vous avez modère ou pas? Oh non, c'est bon, je vais dans 27 secondes. Bon, on va pas mettre modère 5 minutes. Pour aller au marais. Ouais, au moins, là, j'ai besoin de ramer tout droit. Bon, bah, deux trophées, c'est parfait. Ouais, bah, pour le coup, là, franchement. Tu l'as pingé ou pas? Ouais. Celui-là ouais. Aussi. Ouf. Bon, ça, c'est que 10 PV, ça va, ça va. Cool. On est passé en dessous de la barre des 50%, ça va. Bon, après, on refait la même, mais en radeau. Hein. Oui, bien sûr. C'est non. Alors, je vais essayer de passer le bout de bois. Non, arrête-toi, comme ça on répare. Ouais, non, mais après le bout de bois, comme ça on peut longer. Oh. Allez, le jeu. Celui qui veut faire un bout, un bisou. Non, ça marche pas. Ah, sans si. Surprenez. Ça sent les... Il fait des dégâts. Hein. Ah ouais. Du coup, est-ce que vous pouvez faire le la table ouais. Ici quoi? Déjà, est-ce que quelqu'un a du bois? Non. Non. Voilà. Comme ça, moi, c'est fait. On a des arbres autour, ça, c'est pas le problème. Hein. Il compte, ça, là. Ouais. Il y a un sapin juste devant. Je me rapproche. Ouais, tu t'es surtout pété les sangsues. Pour l'instant elle est en dessous, on peut pas. On va péter le bateau sinon. Il y en a une à gauche. Je vais stopper le bateau. Allez le bateau, arrête de bouger. Il y a un limon derrière vous. Enfin, un blop. Oh, le blop, il prend midlife avec une flèche d'aiguille. Let's go. Deuxième blop. Alors, on a plus peur de vous, venez. C'est bon, le bateau est réparé. C'est bon, c'est réparé? Ouais, c'est réparé. Oui. Là, hop. Et c'est parti. C'est parti! Alors, par contre, pour rentrer à la maison. En un quart d'heure. Après une navigation automatique. En un quart d'heure, ça va être compliqué, je pense. On va juste qu'on retrouve. Si on arrive à trouver les terres de feu.
J'ai envie de tuer Ragnaros, moi. Attends, et il faut farmer les emblèmes de... C'est quoi déjà? C'est tout de Malfurion, là? Comment ça s'appelle cette réputation? Le cercle, ça n'a rien. Non. C'est l'assaut. C'est justement les quêtes de. De Hyjal. De Hyjal, ouais, l'assaut de Hyjal ou je sais plus quoi. Les Vengeurs d'Hyjal. Où on doit faire toute la suite de quêtes pour justement infiltrer les terres de feu. Et du coup, on va faire même pousser un petit arbre monde dans les terres de feu. Je me souviens, ça. On devait fermer toutes les semaines pour récupérer comment ça s'appelle, les marques de Malfurion ou je sais pas quoi. C'était horrible. Bon, on va toujours tout droit jusqu'à temps qu'on touche jusqu'à ce qu'on tombe. Jusqu'à ouais, c'est ça, jusqu'à temps qu'on touche le sol. Hein. En vrai, vu la distance qu'on a déjà faite, je pense qu'il y en a au moins pour une heure juste pour arriver au bout. Je pense aussi. Hein. Oh, ça va aller. Ça va vite, hein. Si on n'a pas de plaine en plein milieu, ce que je ne pense pas parce que j'en vois une au loin, il y a moyen que on y arrive. Et puis du coup, moi je me déco juste avant. Comme ça, je ne meurs pas. Bah après, bah, ça va être comment on va se ramener les uns les autres. T'imagines la galère. Bah c'est... Ouais, c'est vrai, on aurait dû prendre un truc pour faire le portail. Ouais. Après, si on reste sur le bateau, on bouge pas avec le bateau. Alors, si par exemple tu restes sur le bateau, que tu te déco et que le bateau s'en va? Ouais. Non, tu resteras dans l'eau. Ah. C'est pas très intéressant, du coup. Non, en vrai, le monde il se met en pause, il n'y a plus personne de connecté, donc il suffit de se déco et puis. Ouais. Là, faut qu'on remette quand même le trophée. Alors c'est moi, on arrive dans les terres de feu, là. C'est quoi, c'est... J'ai une grande montagne. Ah non, on dirait des marais. Je vois une colline. À droite, c'est une tortue. Oui. Eh oui, Nicolas, toujours présent, toujours debout. C'est une tortue ou c'est... Ah oui. Dommage qu'on peut pas voir le dessous de la tortue. Bah, tu regardais tout sa carapace, mais c'est quoi sa manière? Mais non, mais qu'on voit, genre si on voit sa tête comme dans. Comme là, comme dans ce. Prenne. Il y en a deux. Ouais, apparemment, c'est jackpot. Pensez à prendre la bouffe, par contre, pour l'endurance avant de taper. Hein. Ouais. I am ready, moi. Attendez. Je suis tout au fond. J'attends que l'énergie remonte. Je suis prêt. Quand vous voulez. 3, 2, 1, tapez. En plus, ça va nous servir à rien du tout, puisque c'était juste pour le harpon. Ça sert clairement à rien. Mais c'est rare.
faut évacuer. Oh, c'est bon, c'est bon. Hop. Il. Deux. Hop. Ah, c'était pas pile là. J'ai entendu le glou glou. J'en ai eu deux là, deux. Du coup, c'est parti. Les unes contre les autres. Elles étaient en train de se faire des bisous. Puis en face, c'est... Ça me paraît bizarre, la terre, là. Je vois des bouts noirs. À la droite, c'est des marais, ça, non? À droite, là-bas, c'est des marais, mais tout au bout, là-bas. Vraiment, ah, ouais, direction sud-est. Un peu des terres pseudo-volcaniques. Merde, pardon, j'ai donné un coup, pardon, excusez-moi. Ah. Bah, go. Flex. Oh, pour le mais pas plus, on te fait du bien, on t'enlève ton acné. Ah par contre, ça va replonger vite elle. Ouais. Elle est susceptible. Bah ouais. Putain, elle a déjà tout fait. Je crois qu'elle a bugué. Ah, non, pas du tout. C'est tout, il y en a plus. Si, alors. Si, il y en a là-bas. Non mais c'est bon. On n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps. Si on n'a pas besoin. Oui, c'est vrai. Vraiment pour le fun. Du prix de l'autre source du fun. Eh, 121. Ouais, on va pouvoir faire des harpons. Wouhou. Bon alors, est-ce que c'est les terres de feu? Je sais pas, mais ça me paraît très sûr. Je vois pas d'armes non plus. Je vois un arbre mort à gauche, mais seul. Ah non, si, je vois des arbres donc. Ah, c'est des marais peut-être. Hein. Ou alors des arbres carbonisés. C'est très bizarre. Hein. C'est plein de petits îlots. À gauche. Notamment à gauche. Tout à gauche, c'est une montagne. Ouais. Voilà, c'est marais. Par contre, au bout là-bas, c'est pas du marais. Ah si, ah non, c'est de la forêt, c'est noire. De la forêt, ouais. Ou de la prairie, la forêt. Non, forêt, j'avais pas vu les arbres. Ah, moi je les vois pas. Oh, t'as spoil. Ok, c'est bon, quoi, un sapin. Et maintenant la brume. Ah, on a fait plus de la moitié de la route. Ah, c'est lag. Gros le freeze. Ouais, gros lag là. Là, il y a terre droit devant. Attention, ça a tapé là. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouf. Contrôle, contrôle. Terre brumeuse. Yes. Terre brumeuse avec des arbres. Non, c'est pour moi, je vois de. C'est la limite, je pense. Forêt. Les deux autres ressemblants, donc. Hein. Mais quand je vois la minimap, c'est terre noire. Ah, ouais. Non, par contre, je vois terre. Attends, je vais mettre la différence. Ah, oui, ouais, on dirait. Ouais, c'est bizarre. Par contre, c'est moi, il y a de la neige. Ouais.
Non, c'est pas ouais, c'est... Ouais, non, ouais, c'est bien terre brumeuse. C'est des particules fines, c'est le CO2. on est en Moyen-Âge avec les Vikings, là. Ça n'empêche pas. Le CO2 existait déjà. Non, hein, mais je veux dire, t'aurais pas autant de particules fines. Alors, y a, à droite, il y a de la forêt noire encore. Ça me donne envie de manger de la forêt noire. Ah ouais, tellement bon ce gâteau. Oh. Tu manges une petite part, c'est bon, t'as tout ton après-midi qui est en mode sieste, mais bon. Terre droit devant. J'espère que c'est... Voilà, on arrive au bout de la map, donc il y a moyen que ce soit ça. On est encore loin hein, du bout. Pour le moment, je vois pas de... Je vois rien dessus pour l'instant. Je vois pas d'armes non plus. Ça peut être des terres brumeuses, hein. Encore. Sous la minimap, il y a écrit terre brumeuse. Non, tu l'as pas encore chargé la minimap là. Non, sous la minimap, il y a écrit le nom de la zone. Oui, ah, oui. Ah oui, de la Wunner, oui. Il va falloir que tu tournes là. Ton. Ah mais non, mais moi je vais tout droit, moi. Il y a pas de roue sous le bateau. Hein. On fait comme dans le film, tu l'as jamais vu le film où les vikings ils soulèvent. C'est dans le manga. C'est un manga où c'est des vikings, puis ils veulent attaquer un château. Bah, il y a pas de mer à côté du château. Bah, du coup, les mecs ils soulèvent le drakkar et puis. Puis tu vois qu'ils traversent des gigantesques plaines en train de crier comme des tarés. Avec le drakkar aussi. C'est ça. J'ai plus le vent, j'ai pas modère, donc ça va être long. Le modère? Ouais, s'il vous plaît. Oh, je le mets. Modère pleure toujours, même morte. Ouais, c'est triste. On passe en la main. Pour l'instant, mon boss préféré de ce qu'on a fait, c'est Modère. Ah ouais? Bon, il est stylé. Ah, moi, j'aurais dit Yaglut. Bah, il était pas si exceptionnel que ça, Yaglut, au final. Hein. Oui, bah, puis il était tout... Allez, en niveau exceptionnel, je dirais l'ancien. Et parce qu'il y avait vraiment une strat... Ouais, l'ancien était sympa. Et puis l'ancien était chaud à esquiver pour le coup. Ouais, voilà, qu'ils aient spawn. Rouge devant. Rouge ? Oui. Ashlands, terre de cendre. Avec des. Il y a du loot dans l'eau là ? Il y a du loot dans l'eau, ouais. C'est du charbon. Il y a aussi du loot sur terre à gauche. Il y a des créatures. Il y a des surtlings. C'est moi ou... Il y a des surtlings, ouais. C'est habité. Par contre, c'est quoi là-bas ? Est-ce que c'est le prochain terre ou est-ce que c'est. Ça, c'est la. C'est... C'est d'abord, il y aura les terres brumeuses et après, il y aura les Ashlands. Par contre, allez récupérer ce qu'il y a là-bas, là, qui crame. Voir ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Tu es prêt à faire un demi-tour au cas où? On sait jamais s'il y a des drakes qui nous volent dessus, qui nous crament le bateau. Oui. Et ça, c'est quoi ça? Approche-toi de la terre. Bah, je peux pas plus. C'est un spawner à Surtling ou c'est moi? J'ai l'impression. Ça me paraît dangereux ton histoire. Ouais. Si je meurs. Pour l'instant, c'est des Surtling. Et tu devrais garer le bateau hein, par contre. Là, je peux pas. Bah oui, mais il tire pas en fait, il garde le bateau et il laisse le tirer. Là c'est dangereux. Ah, on est sur une terre où on n'est pas censé être. J'essaie de le rapprocher de la terre, mais bon. Oh, on est ralenti sur le sol. Ouais. C'est normal, c'est de la suie. Même on se croirait. Dans un enfer. Dans Minecraft, voilà. Bah non, on n'est pas ralenti. Ah si ? Bah non, on n'est pas ralenti sur le sol. Attendez-moi, c'est un glowing metal. Attendez-moi, dur. J'arrive. Tu peux avec ta pioche? Oui. Plus le métal. J'ai rien. Il y a des mobs, faites gaffe. Flamme métal. Nouveau matériau. Oh, let's go. Alors, c'est juste nouveau matériau. Hein. Ah, ça a pas donné de temps? Non. Pardon. Encore des mobs au-dessus. Je vais aller le faire. Ils font que dalle comme des gars.
En vrai, voilà, on sait où on va farmer le charbon. Hein. Ouais, enfin, ça fait loin de la maison quand même. Par contre, c'est con, on aurait dû. Ah bah attends, les circlings. Ah non, il faut des œils de nagri pour faire le portail. Oui. Oh, ils spawnent à l'infini, hein. Mais alors, c'est... moi, ce qui me fait un peu peur, c'est. Là, c'est les boss. Les mobs standards, c'est les circlings. Est-ce qu'ils vont nous mettre des... ils vont nous mettre des jeans de fou là de feu On verra. Bah voilà, parce que bon, en soi ils sont pas compliqués hein. Donc du coup le flamme minerai de flamme métal. Chaud touché avec des veines brillantes de métal étrange doit être raffiné dans une fonderie. Non c'est bon ça, ouais. Bah, c'est peut-être après qu'on va avoir les pleurs du coup. Ouais. Par contre s'il y a moyen d'en choper d'autres. Je pense pas qu'on ait les plans non plus. Hein. Faut voir. Je mets dans. Vous voulez faire quoi? Vous voulez explorer les terres? Bon, c'est comment ça se passe? Y'a rien. Hein, moi, en parce vrai. Que là, je tape une touche. Et... Y'en a. Pas vu que ça se pose à l'infini, j'ai l'impression, donc c'est pas très intéressant. Moi, j'ai envie de rentrer à la maison et de fondre le minerai pour voir si ça nous donne des trucs. On va rentrer, ouais. Ouais. En vrai, on a vu les terres, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais c'est cool. Par contre, c'est con, ouais, on aurait dû mettre un portail. Ouais, ouais. Oula. Ouais. Ouais. Si ça crame le bateau, on va être ennuyé par contre. Mettrais pas une table pour réparer au cas où? Si, ouais. Si, il faut réparer là. J'aimerais, mais je peux pas poser la table du tout en fait. Il veut pas te la poser? Non. Non, c'est tout. C'est... Non, je pas... on peut rien poser. La limite est rouge. Approche-toi plus des terres brumeuses. Va vers la terre brumeuse. Ouais, là, je vais en avant, il va en arrière en fait. Parce que j'essaie juste de tourner. Pour faire demi-tour. Avec prudence. En vrai, tout le charbon qu'il y a dans l'eau, c'est juste les surlignes qui sont noyées. Ouais, c'est ça. Allez, demi-tour, 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 demi-tour. Mais il y en a plein qui spawnent carrément dans l'eau en fait. Ouais, après, bah, je pense que la zone, tu vois, elle est mal codée et que du coup. Ah, mais c'est pas qu'elle est mal codée, c'est qu'elle est pas codée. Oui, enfin, ouais, voilà. Alors, par contre, j'ai le vent contraire, donc je vais essayer d'arriver le plus vite possible. Ouais, t'inquiète. Ça va, tu lag pas trop ici, Jack? Un peu. Je m'étonne avec le nombre de mobs qui spawnent et le nombre de charbon dans la flotte. C'est surtout qu'il y a... Bon allez, là, avance Putain, il est bloqué le bateau. Sérieux? Ouais. Il est bloqué... On n'est pas sorti d'ici. Non, il est bloqué. Il peut pas bouger. Il est bloqué. Il est trop gros, donc il est bloqué carrément. Attends. Ah mais nous, on peut pas venir t'aider en fait. T'es trop loin pour nous. On pourra pas nager. Oh merde. T'as pas le bateau. C'est pas ça qu'il fallait faire. J'essaie de creuser pour le permettre de qu'il s'avance. Genre. Bah il est carrément. Il faut que la mer elle augmente en fait. Là il est carrément. Attends, il y a un surfing qui tape dessus. Ah oh, c'est mort. C'est bon là. Il se fait canarder. Ça bouge pas le bateau. Je peux pas. Ok. Je reprends l'endurance. Je vois pas avec la voile, je vois pas où tirer. Il est là-bas, l'autre. Ah là, je vois rien avec la voile moi. Ouais, c'est bon. C'est bon. Vas-y. J'ai coupé les moteurs. Non, vas-y, continue. Vas-y, monte dedans, c'est bon. On va récupérer.
côté terre brumeuse. Ça va, il reste encore 25% de 16. Ça va que là ils meurent tous instant dans l'eau. Ouais, du coup t'as des cœurs de surcline dans l'eau et du charbon à mort. Ah ouais, et l'appart où il y a que ça, ça brille pas gogo. Comme ça on aurait presque pu faire un portail en vrai. Il manque quoi que les trucs de dinguerie en plus. Bah en vrai, c'est con que c'est les terres brumeuses parce que ouais, on aurait eu la forêt à côté. En vrai, attends. Attends, il n'y a pas du... C'est du... Ah non, c'est du bois précieux qu'il faut. Mince, c'est du bois robuste qu'il y a dans la cache. Tu peux faire la table là ou pas? Non. Okay. Je me mets sur le caillou. Voilà. Hop, c'est bon, c'est réparé. Sur la terre noire, on peut rien construire. Je vous dis de suite. Ok. Ouais, on fera pas de nouvelle base quoi. Après, ça m'étonnerait qu'ils fassent pousser beaucoup de trucs là-bas. Imagine, on peut élever des petits des bébés drakes et tout. Après, on les monte et on peut voler. Tu t'arriverais à venir de là ou pas, Jack? Bah déjà, faudrait réparer le bateau. C'est fait, c'est réparé. Il a été réparé. Je l'ai réparé, ouais. Non, mais il a pas entendu. Oui, je... Vas-y, tu peux sauter. Non, arrête-toi, par contre. Je t'ai arrêté. Allez. Allez, à la maison. On a fait un petit stock de 100 et quelques charbons. Ouais. Du coup, on en a combien de métal? On en a 8. Attends, j'ai pas ramassé le métal, je vais en prendre après. Vas-y, profite pour faire le trophée aussi. Ah oui, j'ai pas pris de trophée non plus. Hop, c'est bon. On va tout droit. Hein. Faut ça t'asseoir. Hein. Ouais, c'est bon. Pas chavirer. Ouais, c'est bon. J'ai repris. Ouais, Nini, c'est nickel. On a découvert l'autre zone. Ouais. Et puis, ils ont déjà mis du métal dedans, donc c'est cool. Ça sera bien sûr modifié d'ici là. Oui, je pense. Et du coup, il s'appelle comment le métal? C'est. La métal. Flamme métal. Plein de métal. Je rêve où le capitaine de bord est sur son ordinateur. On va se cracher. Alors qu'il y a une terre droit devant. Mais non. Ah, mais arrête-toi sur ce. Attends, arrête-toi là. Bah oui, j'ai... Arrête-toi ici, c'est de la forêt. Bah oui, je sais. Tout était prévu, monsieur, regardez. Il y a un spawner devant en plus. Même non, c'est quoi, un spawner. Mais il n'y aura pas forcément de bois précieux. Mais on aura du nengré. Quoique, s'il y a une plaine à côté. Bah si, bois précieux, c'est possible, non? Si, bah si, il faut... Ça drape sur quoi, le bois précieux? C'est juste les arbres, les gros arbres. Ah, c'est les bouleaux. C'est... Ouais, ah oui, c'est bouleaux, mais... Pétez pas le spawner, hein. Ouais, faut tuer les nengrés avant. Là, faut combien? 10, hein. Ouais, on est en forêt noire, on aura pas de bouleaux. Et trouver une plaine. Et ben on va se mettre tout nu, on va courir. Mais ça m'étonnerait, je pense qu'on doit être sur une île. Je suis à 1. J'en ai 2. Ah, j'en ai encore. Moi j'ai des nagris là sur moi. Non, des yeux. Oui, mais j'ai un nagris et un étoile là. Enfin, j'ai chaman plus 2 nagris. Oula, ça lag. Faut pas trop taper près du truc quand même, parce que ça me casse. Deux, trois, trois œils de nagri, quatre. Trois yeux du coup. Cinq œils de nagri. Je suis à 3. 2. J'en ai 5. Ouais, on est sur une île donc on n'aura pas de bois précieux. 4. Bah normalement c'est bon là, non? Ouais.
Et là, il en manque un. 6. Ah, c'est bon, j'en ai 5. Hein? Par contre, il n'y a pas de boulot, donc... faut aller à Pôle emploi. Ah, il suffit pas de traverser la route. C'est mi-forêt, mi-terre brumeuse, d'accord. Et par contre, c'est quoi ça là-bas? Ah, c'est un spawner à griller. Alors, je vais tester de péter un sapin pour voir si on a que du bois normal. Ouais. Du pain peut-être. Ah, précieux, c'est que sur les boulots. Hein. Ouais, ça sera du robuste ici. On pourrait trouver une plana à la limite. Ouais, mais bon. Après, je pense qu'on va mettre plus de temps à trouver une plaine. Non, il rentre en bateau. Il n'avait pas loin des plaines. Ah ouais? Non, les plaines elles étaient super. Il y avait les marais en haut. C'était marais et. Marais, hein, sur la route. Les plaines elles étaient loin. Hein. Ah. Bon, bah, go bateau. Hein. Je reviens. C'est dommage. Alors, on avait tout. Ouais, il manque le bois. C'est comme dingue, hein. Bon. Du bois. Je ramène des plumes. Des flèches. Et des lampes. Aïe. Le bateau il va être bloqué. Dès que tu peux le faire. Ah non, là non, tu vas trop vite. Ah, vas-y Jack, saute. Enlève ton arme, tu vas sauter plus haut. Non mais non. En fait. Mais là j'ai arrêté, hein. Je suis en train de... Marche arrière. Quand il veut, le vent. Allez, fais marche arrière. Ah vache. Là, tu peux nager, Jack. Enlève tes armes et tu peux nager. Tu es un viking. Arrêtez de vouloir me déshabiller. Mais toi, tout nu, Jack. Comme les vikings. Non. Bon, du coup, on remonte là-haut. Ouais, on peut remonter là en bas, mais ça marche moins bien. Bon, ouais, je crois qu'on l'avait pas eu de plaine. Hein. Je l'ai pas eu, moi, sur la route. Allez, le vent, change, s'il te plaît. Je l'ai pas sur ma carte. Non, moi non plus, hein. Quand on a remonté, j'en ai pas. Ouais, non, vous avez raison, faut monter un peu. Hein. À moins que, si vous voulez meubler 5 minutes, vous garez là, vous meublez, je reviens. Ça dépend. Un peu la flemme, non? Du chêne, ouais. du noisetier, tu veux quoi comme meuble? Garde-toi, je vais te le chercher. Ça lag. Bah oui, bah moi aussi. T'as même pas besoin de te garer, hein. Tu fais la commande tout de suite et puis c'est bon. Hein. Non, mais si je repop, je repop dans l'eau. Mais t'es pas obligé de tes déco, hein. Ah si. Bah si, ça fonctionne pas en multi. Ah. Bon bah vas-y alors. Je reviens. Oh. Je vais manger un petit bout, moi. Alors, le flamme métal. On peut donc le faire fondre dans une donc les nouvelles fournaises actuellement donc on ne peut pas l'utiliser, il sera comme les autres métals
et sera considéré, enfin c'est un nouveau métal dans les nouveaux biomes, qui sont les terres brumeuses et les Ashlands. Il y aura de ce métal dans les terres brumeuses aussi. Oh bah ils disent Flame Metal can be considered far future content as the next biome update is Mistland and not Ashland. C'est juste que ça fait partie du nouveau contenu. Ça fera partie du nouveau contenu de Mistland. Il y aura les terres brumeuses et les terres de cendres, c'est tout. Voilà. Alors non, ça, des terres brumeuses, mais pas des terres de cendres. C'est ce qu'ils disent sur le wiki en tout cas. Ça can be found on the metal. To produce flame metal. Ah, le contenu de ce biome sera temporaire et bien sûr sera développé et sujet à changement. Oui, ben. Ça c'est normal. Et les Ashland font sûrement référence à Muspelheim, qui est le royaume du sud du feu et gardé par le grand géant Surtur. Ou Surt. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être. Ouais, je sais pas pourquoi Imra il s'est barré avec le bateau. Mais je suis pas barré, moi j'étais dans le bateau. Reviens Imra. Je veux que je parte. Alors du coup. Ah non, c'était encore en marche arrière en fait. Ah bon? Oui. Le frein à main, monsieur. Enfin. Oui. C'est automatique. Vas-y, encore, 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 encore. 3, 2, 1. Top. À droite, tout. On va pas au bout de bruit, je vais ramener le bateau. Mais non, comment elle pilote ce soir voilà. J'ai raccroché ma casquette de capitaine. Bon du coup, cassé ma pipe. On va de l'autre côté des terres brumeuses du coup. Non, en vrai je mettrais le portail plus ici plutôt que dans la rouge ou le noir d'en dessous. Au cas où. Ah ouais. Ouais mais non, le caillou, en vrai sur le caillou t'avais trouvé non. Ouais. Parce que j'ai... ouais, parce que là ici, ça fait qu'on va devoir retraverser en bateau. Bah ouais, mais là, la traversée de là jusqu'à la terre rouge, c'est pas beaucoup. C'est juste qu'on sait jamais, on sait pas encore ce qui va être construit, ce qui va être pop, ce qui va être enlevé ou rajouté. S'ils nous enlèvent le caillou d'ici là, le portail il disparaît. Ah, donc ouais, plutôt. Alors dans que la forêt noire, elle va rester. Ah oui, ouais, bah oui, bah vas-y, go le mettre dans la forêt noire. De ce point de vue là, c'est pertinent comme remarque. YOLO. Au sud. Bah du coup on mettrait quoi comme repère de portail? Quoi? C'est il reste quoi dans Bah je sais plus. Deux je crois, il est pas encore pris. Je vérifie mais. Merde, attends, j'ai pas de bois. Au pire on s'en fout en fait. Ah non, c'est pour rentrer là tout de suite. Ouais. Bah tout de suite ou pas, j'en sais rien. Ouais, ce serait ou alors mets mon nom à moi. J'ai plus de portail je crois. Ouais, attends. Enfin, tu écris Imra. Il y avait combien de A déjà? Non, c'est grand I et petit M, petit R, petit A. Hop! Connecté. Let's go! On va vider. À la limite, on vide, on rentre et. Ouais, on refait le bateau. Le bateau, on le ramènera une autre fois. On peut le laisser là, au pire. Ouais, on peut le laisser là et puis quand. Quand il y aura les terres brumeuses, on pourra y aller. Hein. Ouais, ça c'est pas pour tout de suite. Hein. Alors, du coup, j'ai les trophées de serpent, les écailles, les trophées de Sterling. On avait les trophées ou pas? Oui, oui, oui. Alors, viande de serpent, c'est dans viande à cuire. C'est dans viande. Hop. Du coup, normalement, il y a un coffre à écailles à. Alors, viande à cuire. Ah, t'avais refait des préparations de potions? Je l'ai pas vu. Je voulais m'entraîner. Ah oui, j'avais vu. Ouais,
parce que j'en avais jamais fait jusque là. Et ben si vous voulez voir à quoi ressemble le prochain métal, il faudra attendre que les 45 sons brassiers d'avant soient fondus. Ok. Et là du coup je remets du charbon parce qu'il n'y en avait plus. Hop. Donc je n'ai plus de charbon. Les trophées c'est par là. Trophée. Chitine. Trophée. Chitine c'est là. Trophée c'est là. Donc du coup. Mais dans montagne pleine le ouais, on en mettra un autre. On sait que c'est océan. Hop, du coup j'en prends un des trophées de serpent et les écailles. Elles sont là-bas je crois. Écailles. Écailles de serpent. Hop. Du coup, let's go. Alors, mettre le trophée. C'est à l'intérieur, le serpent. Ouais, c'est. Alors, à quoi il ressemble? Alors, il est à mettre ici. Porte nord. Ouais. Oh, ah bah non. J'arrive. Je le récupère pour pas te spoil. Vas-y. Imra, viens voir. On a aimé le. J'arrive. Attends, Imra. Il va falloir le bouger, Jake. Vous voulez le mettre à l'intérieur? Ah putain. T'es mal à la taille de l'engin. Limite, c'est énorme. Limite, c'est. C'est un problème de taille. C'est moche, mais si surtout tu regardes avec le trophée derrière, tu peux même pas récupérer le trophée de l'abomination. Bah, enlève-le. Hein, En vrai, je serais d'avis de le mettre. Ou on peut le mettre au-dessus de la porte, non? Ou alors. Attends, j'ai une idée. Ouais, non, mon marteau. Mettre au milieu, non? Ouais. Voilà. Et du coup, on peut le mettre. Il était grand. Allez, on va le mettre là. Il est limite plus grand. C'est pas un boss, donc on va le laisser à l'intérieur. Il est carrément plus grand que le Lox, quoi. Vas-y, essaye de le mettre. Où ça? Attends, on va le mettre ici. Sur le poteau. Poteau. Voilà. Oui. C'est mieux là. Ah oui. On surveille la carte. Ah ouais, carrément. Là. Ah wesh, il est énorme. J'aurais pas pensé aussi gros là, wesh. Là, je déplace un poil ici. Donc ça, c'est bon. Et du coup, je vais attendre que le métal il soit fondu. Ouais. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Il était dans quel coffre, par contre? Coffre de pêche, étage banque. Il y a les deux cannes à pêche. Ok. Ouais. Sérieux, il est en... Non, ce truc. Il y a quoi? Non, il y a le trophée du goudron qui est passé sous moi. Oula. Sérieux, il est encore plus bas? J'en ai un. Le trophée de ouais, je viens de le choper, il était contre le mur. Ok, ça marche. Attention au trou. T'inquiète, poquette. Voilà. Tiens, vas-y, tu veux. Bah, je pense que je vais pas attendre les 42 son brassier. Hein. Non. Ça va être long. Ouais, hein. Ça va être trop long, je pense. De toute façon, comme dit, il n'y a aucun intérêt là, on verra quand il y aura les... Oui, on a le temps, hein.
Mais en vrai, c'est cool que bah, on a réussi à faire Yaglut déjà deux fois. Modère aussi, on a les deux trophées, on a découvert la nouvelle zone à peu près. Ouais. Par contre, nouvelle zone, du coup, si bah, y a Sterling à mort, ce qui va être sûr et certain, c'est potion de résistance au feu. Ouais, on est d'accord. Ouais. Ça, après, c'est pas la prochaine zone, il y aura été ouais. Brumeuse avant. Donc, ce sera les terres brumeuses, du coup, à voir ce que les terres brumeuses sont censées arriver prochainement. Par contre, les terres de feu, faut compter facile un an. Hein, oui, parce que les oui. terres brumeuses, ça fait un an qu'on les attend, donc je pense que c'est un an par zone. Hop, je fais une déco. Mais moi, ce que je me demande, c'est surtout quels monstres ils vont mettre dans les terres brumeuses, en fait. Des araignées. Grosse araignée. Ah ouais, c'est des araignées. Il y aura des je chances. Je sais pas, mais des... on suppose. Il y a des chances, ouais. Parce que c'est surtout ça, en fait. C'est parce que les... j'aurais dit, ils auraient mis des drogues, tu vois, les fantômes, mais ils ont déjà tout mis ça dans le marais. Mais pendant un temps, dans les terres brumeuses, quand on passait, il y avait des arbres avec des grosses toiles d'araignées dedans, c'est pour ça. Ah. Voilà, maintenant, les zones sont désertes, mais... Sachant qu'en plus, ils ont montré également du contenu, la nouvelle table de craft, là. Mmh. Donc sûr, déjà, il y aura du nouveau métal, il y aura des nouvelles plantes, si je ne me dis pas de bêtises, qu'ils avaient déjà montré. Donc, ça promet... À voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, c'était sympa. C'est une belle aventure, en tout cas. Du coup, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, bisous. À la prochaine, à des bisous. Et puis, du coup, je vais couper le stream. Voilà. À toutes. Et du coup, messieurs, dames, donc c'était notre aventure sur Valheim. Donc maintenant, bah, il n'y aura plus qu'à attendre le nouveau DLC, enfin, nouvelle zone. Sur ce, n'hésitez pas à suivre Vincent Studio sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Rejoindre le Discord si ça vous dit également. Vous abonner à la chaîne Twitch. C'était Draken, en compagnie de Jekema. Et on vous souhaite tous une bonne soirée, une bonne journée. Cordialement, bisous!